Aucune, non, <laughs> pas de transition. <laughs> non, quand je dis sans transition, aucune, es en mode genre es en train de parler. Ou tu là, genre, ouais. ah, d'accord, ok, ah ouais, on y va, ah ouais, on y va. Dans le chat, tu comprennes pas, mais on était en train de discuter et tout. Et là, d'un coup, j'ai dit, bon, bon, on y va, et j'ai changé. Soit <laughs> non, on mais je voulais mieux pas temps euh... de se recoiffer, de se redresser, de <laughs> machin. <dommage>, <laughs> On a pas eu le temps de se Ouais, c'est ça. <laughs> euh, J'ai encore mon épi. Ah non, il est plus là, tristesse. Rip, petit épi, parti trop tôt. Du coup, salut Psychrame, salut Vézor Coucou Dreg, hello Alex Ferture. Salut Ginny oh là là. Mmh. dans le chat. Et au fait, coucou Nezuko, comment allez-vous mmh. Salut Triston. Hello, je constate que je ne suis pas le seul mal réveillé. Merci du soutien. Moi, je suis bien réveillée, Je vous remercie. <laughs> ouais, c'est Luna qui nous soutient. <laughs> oui. Hello, C'est La, la gosure, euh, Luna. Il euh, y a des jours, euh... <laughs> j'ai pas d'énergie aussi des fois. Ah, mais on fait tourner, tu vois. On va se répartir à la charge mentale. En tout cas, aujourd'hui là, c'est toi la gossure, et puis après, <coughs> des fois, ce sera nous genre euh, des fois c'est là-haut des fois c'est moi voilà. mais moi je Équipe, vais parler teamwork yes non mais moi il faut comprendre le brunch quand j'héberge je ne, je ne peux qu'avoir de l'énergie d'abord je vais parler et qu'est-ce que j'aime pas ensuite je vais parler jeux vidéo et qu'est-ce que j'aime parler jeux vidéo et qu'est-ce que j'aime les jeux vidéo et ensuite ils vont faire découvrir des trucs oh, c'est bon c'est bon c'est bon et après on est obligé de t'écouter et là c'est vraiment euh, problème. on the top <laughs> ah c'est vrai ah ça va alors j'ai cru que dire non c'est vous pas vous <laughs> non je suis pas comme ça et oui c'est très féminin le brunch du jour est-ce que vous allez bien alors je vois qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent du mal de tête est-ce que ça va les filles <laughs> le coucher a été tardif un peu. C'est l'endormissement qui est plus compliqué. Allez, on va parler de deux secondes d'insomnie. C'est le jour pour en parler. C'est un mal qui peut nous toucher tous à tout moment. Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que ça se transforme en, en réunion anonyme des insomniaques. Tu sais. Bonjour. Moi ça fait deux semaines. Bonjour. De <laughs> J'ai passé une nuit correcte depuis 1983. Pas de ça. <rire> <rire> Sleeping Simulator. Ah oh, euh, si seulement. Il faut que j'en trouve. Hein. <laughs> Mais un. Oui. Si ça n'existe pas, il faut que ça se développe. Genre, tu sais, avec plusieurs façons de dormir. Tiens, cette nuit, j'ai envie de le faire ronfler. Tiens, dans Mais ta gueule. <rire> 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 oui, je pense que ce serait parfait comme jeu. Bientôt sur la chaîne de Luna en test. Voilà. ah <laughs> oh, c'est terrible. En vrai, c'est trop drôle. Hello, Cassiope. Hello, Cassiope. <coughs> Alors, trois mots. Alors, oui, vos trois mots de la semaine, commencez à les écrire. On a les trois mots de Gwenelf Déjà, on a triste, mais finalement content. Ah oui, d'accord. Je... Je te la mets finalement. Tintin, mais... tintin. Bon, tant mieux si t'es content. Et travaille courage bah écoute, la semaine se termine bien. En tout cas, il y a une évolution. Oui, voilà, j'ai finalement content. C'est pas si mal, je dirais. N'hésitez pas à vous donner vos trois mots dans le chat. Et en attendant, on va écouter les trois mots de la moins réveillée de nous tous. <laughs> oh, vas-y, bah si, j'espère que ce soit là-haut. Il <laughs> fallait que je fasse un choix. En vrai, j'ai fait pouf -pou dans ma tête. Euh, j'ai fait deux, j'ai je charrie. Euh, je charrie. <laughs> Euh, eh bien, euh, les trois mots de la semaine, euh, je vais dire euh, euh, soin, parce que euh, j'ai des, des prises de soins de santé. Notamment, hier, je fais de l'hypnothérapie. C'est très intéressant. Voilà. Euh, ensuite, anniversaire, je veux dire arbre plutôt. Arbre. Voilà. Parce que, pourquoi C'est un mot qui compte double. que <laughs> je suis contente parce qu'on voit les arbres de ma fenêtre qui, qui sont tout fluffy et contents parce que c'est le printemps. Et euh, bon, après, voilà, je ne suis pas à la campagne. Hein. Bon, à Paris, voilà, bleu béton, tout ça, si as un arbre qui est fluffy, au mieux, t'es content, quoi. Donc laissez-moi être contente de mon arbre fluffy à Paris, ok <laughs> Et aussi parce que c'était l'anniversaire de l'arbre cette semaine. Voilà, et qu'on a fêté l'anniversaire de l'arbre, donc de la chaîne euh, Cinémoon, pour les gens qui se demanderaient de quoi je parle, euh, hormis d'arbres à Paris. Profitez en 30 ans, il n'y en aura plus. Euh... <laughs> dans 10 ans. C'est vrai. Ouais, je, suis, je suis un peu optimiste. large. Je suis un petit peu large. Euh... Donc, euh, oui, donc euh, le deuxième mot, on va dire arbre. Et euh, en euh, troisième mot... Euh... Eh bien, je vais dire euh, Carita Twitch encore, parce que c'est la semaine prochaine. Euh, que c'est pour les gens qui ne sauraient pas le relais Carita Twitch. Je laisserai les filles en parler aussi si elles ont envie. J'en ai beaucoup parlé hier, mais pendant mon année j'en parle beaucoup en stream. Je pense que les gens qui passent sur mes streams en peuvent plus. Euh, <laughs> mais c'est important, c'est une cause importante. Voilà, ce sera pour Andy Chien. Et, et en fait, j'ai plein de trucs qui faut que je continue d'avancer. Genre la vidéo TMTC, voilà. Euh... Voilà. <laughs> Donc ce sera mes travaux de la semaine. Tes trois euh... mots très intéressants. Merci, merci. Ah, t'as du brownie. Mmh. Tu m'échanges parce que j'ai des cookies là, j'ai des, des cookies contre un... Des cookies contre un brownie. Ça, ça, ça dégommait tout le brownie. Il reste que ah ça. Non. Ah non, bon bah... Un plus, un brownie... Je continue de boire ma soupe, alors. C'est un brownie fait dans la région. Mmh. C'est cassiopée pour les 5 bits. cassiopée pour les 10 comme, comme, comme elle le fait là-haut déjà, là, comme les Coréens, c'est ça et Je trouve que ça fait euh, moni-moni-moni quand on fait ça, c'est encore pire en fait, non Non, c'est ça qu'il faut faire quand tu fais moni-moni-moni. Tu fais le cœur et tu fais genre, en fait, c'est la thune que tu... De <laughs> entre la thune et le cœur des gens, il vaut mieux prendre la thune parce que le coeur, ils en ont besoin pour respirer. Oh, waouh <laughs> <laughs> N'arrachez pas le cœur des gens, s'il vous plaît. C'est euh, ici de... que vous l'avez entendu. En tout cas, si on avait un doute sur le fait que Luna est mieux réveillée que nous. Non, okay. non Je peux en enchaîner quelques-unes comme ça si vous voulez la prochaine fois, je ferai plein. Non, ça dépend s'il bat sens. ou pas, euh, Alex. S'il ouais, bat euh, encore, ouais. ça peut aller vite. Ça, aller... ouais. ça peut monter ouais. très haut, je pense. Aussi. <laughs> encore, ouais. ouais, mais c'est pas légal. Ah, ça me fait mal. <laughs> du coup, on a les trois mots de Nezuko. Ah, alors, on a vacances. Là, je serai en vacances en Bretagne pendant une semaine. Ok. On a météo parce que le temps n'est pas fou, bah, en Bretagne. <laughs> Et on a repos. Enfin, je me suis bien reposée. Bah, t'as bien raison de profiter. Finalement, t'es en vacances. La seule chose, c'est que t'as choisi le mauvais lieu. Quoi. <laughs> Et pourtant, hier, il y avait une levée de boucliers de tous les Bretons du chat, en mode "Mais eh non, mais il fait beau, mais pas en tout mensonge." Bon, ils, ils sont jamais sortis de chez eux. Mais ils Parce sont il y a délus. la pluie tout le temps. ils sont totalement délus, <laughs> ces gens-là. Ils, ils sont adorables, sont... Hein, mais délus. Ils sont mignons. T'as envie de leur faire un patte sur la tête. Toup -toup. <laughs> le fait de parapluie. C'est juste que c'est pour ça, ils oublient, ils voit voient plus le ciel. C'est exactement ça. <laughs> oui, Ezra tu en fais partie. Putain, nos fonds sont vachement chiants, je me rends compte. Pardon, rien à voir, hein, mais euh, nos fonds, euh, on dirait l'association des fonds euh, blancs et gris et noirs. Bientôt, je vais mieux. Vous <laughs> <laughs> oh, avez été privé du mien, ok. Oh non. <laughs> et tes bisous, let's be. be, be. C'est vrai, j'ai les trois et gros et de le let's let's Ils, Ils sont presse. en train de pédaler à la cave pour faire tourner Internet. Amigo. <laughs> jean c'est eux qui pédalent. Oui. Oui. Et du coup, les, les trois mots de Let's Be, Sinyun. quest que Alors, les trois mots de Let's Be. ta, 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 ta Je remets mes lunettes. Pom 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 Rendez-vous. Attente des résultats du rendez-vous. Et... J'ai trouvé un emploi. Petit bonhomme qui lève les bras, nous dit Let's Be. Donc Let's Be a trouvé un emploi. Ça est nouvelle, en... ça. Est-ce qu'on peut pas mettre un banabistou à <laughs> J'utilise un... mes propres points, pas les points de la paix pour faire ouais. une fête ouais. ouais Un banabistou Qu'est-ce ouais. qu'elle a fait bistou euh, Bonjour, mes trois mots quoi faire et coubé. Et... Ah oui Allez, Alors le quoi coubé, euh, je suis désolée. Pour moi, c'est ban death sur ma chaîne. Alors, je. Pas de. Pas de. C'est-à-dire que nous, on n'était déjà pas drôles quand on était gamin et qu'on faisait coiffeur. Mais alors, inventer un mot pour faire une blague encore moins drôle, je suis désolée, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est terrible. Du coup, dis tout, euh, dis tout, c'est pas possible. Euh, on n'a pas loupé de trois mots. Donc, okay, du coup, euh, bah, franchement, le GG pour, euh, pour Let's Be, c'est trop bien. J'adore Les mots de ton mec là elle est trop bien. Le Dommage peut c'est limité dans le temps. Il a l'air tellement genre. <laughs> J'ai fait une connerie. Pardon. Ah oui, bah... oui c'est lui. Il a fait une connerie. Il le sait et il l'annonce. Le... Alors on a les trois mots. Euh... On a les trois mots de Cathiopée que je ne voyais pas. Parce que du coup... Euh... Je pense que c'était trois mots, parce qu'il y a trois mots à la suite. Ouais sinon ça fait pas trop sens je pense. Oui bah du coup euh, comme j'étais pas... bref. Ch... On a chien. as un chien. chien Pourquoi chien Normandie est épuisante. Alors ça du coup euh, on sait. On sait, euh, c'est cette semaine terrible. Pourquoi t'es allé dans un endroit où il pleut déjà <laughs> En vrai, ça semaine, ça, 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 il a pas fait tant dégueulasse que ça. Ok, épuisante, pareil, ouais, bah. Il... Pas... Des fois les vacances c'est pas des vacances. Mais explique nous chien moi je suis intéressée. On a les trois mots de pète, soleil et je suis trop forte. <laughs> je... Alors je pense que c'est p non. Oh non Faut... p. Si c'est la vigor À Bigorre, je pense. On coup. va dire c'est pète. <laughs> D'accord. <laughs> très bien. Que ça sent moins mauvais. Ouais je sais pas hein, ça dépend. <laughs> et du coup pourquoi tu pètes comme ça? Ah, a... T'as pas vu sur le Discord, il a, y a une journée dans la semaine où il a mis des prouts. Il a écrit prout en réaction sur tous les bonjours de tout le monde. Le quoi et quoi après quand on a, pas du et tout on... chiant. Ah oui, oui on oui, a oui, fait il était on du... partout. Ouais, ça m'a fait rire, j'avoue. <laughs> et euh, et on... on a joué à Jackbox party, euh, alors pour la Nive et puis euh, la veille, mais surtout la veille, je passe. Du coup, c'est parti sur les pets habillés. Et... C'était dans tous les jeux, dès qu'il y avait une réponse à faire kick-part, c'était l'épée d'Abigor. Du coup, Let's Be a dû monter au créneau pour expliquer non, il pète pas autant que ça et tout. Et j'avais l'impression d'entendre derrière elle Abigor se balader l'effet salaire et faire. Fout, 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 Waouh, ce que tu l'explication. On a l'explication de quoi couper On a l'explication de quoi couper, c'était coup A, coup B. Genre C-O-U-A, C-O-U-B. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes explosés au sol, les jeunes, ok Ça ne veut rien dire, quoi, coup en vrai. Mais non, mais parce que du coup, quand quoi Il y a mis un cap-up. Non, mais c'est vraiment. Alors, je sais pas si c'est la vraie explication, mais c'est complètement pété. D'accord Quoi, coup Ouais, bah oui, quoi, Ah, bah oui, quoi, coup ouais. On a à faire cousser, hein. Je suis désolée, mais à un moment donné. Mais non, mais c'est vraiment con, parce que dans ce cas-là, on répondrait juste coubé. Ah, oui, quoi, coup bah oui, du coup, si, les gens disent couper ou ils disent quoi couper Bah non, ils disent quoi couper Ils disent pas on juste couper euh... ouais. ouais. <laughs> Allez, à l'experture, nous donne ces trois mots. Civilisation, D&D et Raymond Légende. Je crois qu'elle a joué beaucoup cette semaine. <laughs> Est-ce qu'il tombe bien <laughs> et oui, Raymond Légende, un... je m'en remets pas. <laughs> Comment <laughs> un Raymond Légende, je m'en remets pas. Voilà, c'était son T9 à la base, à l'origine. que C'est Rayman... Euh... Les Jeunes, sauf que la première fois, elle avait écrit Raymond Légende à cause de son T9. Et j'avais pas compris. Genre, je, je comprenais pas quelle chose c'était. J'étais là, genre Raymond Légende J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler. <laughs> mais. Euh, mais je sais pas, c'est quoi Raymond C'est la version voilà. falsifiée euh, que tu <laughs> trouves dans <laughs> les marchés. <laughs> Raymond Légende <laughs> On dirait le nom d'un Ça, c'est pour Alexis Stone et son RP de camionneur s'il cherche encore un nom. Ah, Raymond Légende <laughs> Pardon, ça irait bien pour. Ah là là là, là t'as raison. Euh... Attendez parce que j'ai lu un truc. Ah oui, Cassiope nous explique pourquoi chien parce que du coup, elle a croisé des chiens, et comme elle aime pas ça euh... dans le train, il y en avait. Et du coup, eux, ils l'aiment bien. Elle, elle aime pas les chiens. Alors ça, c'est terrible quand t'aimes pas un genre, par exemple, quand t'es allergique à un chien, au chien, et que les chiens, mmh. ils t'adorent. Ça doit être un enfer. Quand tu les aimes pas et que ils t'aiment, ça doit être terrible. c'est terrible. Complètement, cool, on est d'accord. Ah oui, d'accord. <laughs> <laughs> Très bien. Mm. Hello, ah. Noce Félias comment vas-tu mm. Moi, je lis même pas, d'accord. <laughs> <laughs> Trop de quoi couper dans cette euh, discussion. Non, mais je ne lis même pas. Tu n'existes pas. Ah, je oh, ça pas continue sur cette voie-là. <laughs> J'imagine hum. euh, pense... qu'il y a toujours euh, Abigor qui passe au fond du chat en faisant Prout, 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 oh, Prout. prout trop bien. Hein. Oui. Il, faudrait, il faudrait une alerte comme ça. Avec Abigor qui passe en pétant hum. Ouais, je, je vote pour. Chez Germéland, il y a... Comment ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle, je Point de chaîne, mais en gros, ça balance une espèce de proutocalypse euh, Je suis tombée <laughs> dessus en cherchant les clips. Il a un jour, il a été raid par Samuel Etienne. Et euh, okay. ils ont balancé ça et du coup il reçoit les gens je sais plus c'était Samuel Etienne ou un autre gros streamer bref il se fait raid par un énorme streamer et euh, ce clip est merveilleux et en gros il y a son truc ça fait des proutes dans tous les sens avec et à la fin avec une explosion voilà et, euh, <laughs> c voilà c est, c est, c est... <coughs> je pense Mais... pas qu'il sera dans le montage en entier donc c'est pour ça que je vous partage ça là allez voir Mais Jeremy allez découvrir Jeremy Land, qui va participer au Carita Twitch les gars Tout à fait Carita Twitch Carita Twitch, Carita Twitch. <laughs> On fait des sons avec euh, tout clip 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 clip. clip Exactement, clip, clip, clip. Est bientôt euh, <laughs> bientôt le contenu en beatbox, voilà. <laughs> oui, merci beaucoup pour ton que Faël. Euh, on n'a pas d'autres mots. Ah si. les trois de la semaine de Switch, D&D et pas au brunch. <laughs> c'est là mes pots, il y a écrit pot, Non, du coup pas au brunch. Alors c'est quoi D&D? Dragon. non. Oui. Oh, Dame, en effet. En ah, plus, donc, ça vient d'Hudson Enfin, je veux dire. Je... Ok, en effet. Donc je dragons je me disais, mais je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. <laughs> non vrai, mon légende, tu vois. Des fois, on se fait avoir comme ça. C'est, fourbe, c'est hyper fourbe. Mais oui. Là-haut, ça va être ton tour ah, de oui. nous donner tes trois mots de la semaine. Bizarrement, j'ai l'impression que ce sera pas quoi couper et prout. Ah, bizarrement non. Alors, même si prout pourrait être là-dedans puisque Abigor aussi est passé sur mon chat. Euh, blum, blum, blum. Je vais me dire, euh, live spécial, parce que le, pendant la journée d'hier, avant l'anniversaire de l'arbre, euh, il y avait un live spécial euh, sur ma chaîne. On a passé pas mal de temps à créer euh, la petite chouette de la nuit, qui est là ouais. encore d'ailleurs. Qui est ici Elle est toute petite. Elle est trop ouais, mignonne. Mais trop elle est cool. oh, Voilà, c'était sympa et vous avez gagné plein de cadeaux, donc euh, c'était cool. Et la chouette c'est pour moi Vous pouvez déjà aller. Et la chouette? Oui, c'est pour Cinemoon. Je l'ai gagné Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine J'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses. et... Twitch. Voilà. Twitch. Donc le à Twitch. Euh, m'a pris énormément de, de temps tout, parce que parler euh, machin etc pour ceux qui ne savent pas parce que peut-être il y a des gens encore qui ne sont pas au courant qu'on n'a pas encore saoulé avec et je laisserai Luna pouvoir ajouter une couche derrière <laughs> un événement caritatif qu'on organise la semaine prochaine avec 24 streamers c'est un relais pour la sensation ça va être trop bien évidemment l'after par Twitch euh... <coughs> euh... L'acteur par Twitch euh, participe <rire> aussi <rire> pour les lives. Qu'est-ce qu'on fait déjà <laughs> Qui en est PTDA <laughs> Qui sommes-nous <laughs> Voilà, voilà. Un peu perdu. Non, <laughs> C'est-à-dire qu'on organise un truc, mais C'est une bonne idée de... qu'on participe. On pourrait, on pourrait aussi euh, ne pas participer et être juste organisateur, mais non, on participe. Alors après, on participe euh... pas sur nos chaînes perso. Hein. Donc euh, l'année oui. dernière, on participait sur nos chaînes perso. Cette année, on, on stream pas sur nos chaînes perso. On... On stream que sur l'After par Twitch. Ouais. Euh, et euh, dernière. <laughs> bah non, ça serait dommage. Euh, dernière chose cette semaine. Euh... Pouf. Pouf. <rire> euh, <rire> euh... Non. Ouais, pouf, on tu va s'arrêter là. <laughs> tu veux te battre Ouais, si il y a des gens qui sont concernés, moi j'y peux rien. <laughs> non, non, je, je pense que ça va te euh, fatigue. Il ressort euh, fa euh, facilement celui-là, mais euh, en jongler entre l'organisation euh, du Caritat Twitch, entre le travail, entre le stream, entre les événements spéciaux, entre les brunchs, entre tout ça, euh, entraîne régulièrement une chouille de fatigue. Une chouille, c'est trop mignon comme mot. Voilà. <laughs> ouais, moi, chouille, je trouve pas ça mignon comme mot, mais ah, ça fait pensé ça la ouais. ch'touille. Ah, <laughs> c'est pas la même chose. Non. non. Voilà. Et, euh... et donc, euh, prenez soin de votre santé. Voilà. Qui pensait Parce santé, que cette santé, euh... santé. semaine, ça a été le cas aussi. Il a fallu. Cœur, cœur. Voilà, j'ai fini. Comme <laughs> ça, comme ça, et sans agiter le doigt, c'est ça J'ai bien compris. Oui, comme ça, et sans voilà. agiter ça le doigt. <laughs> parce que sinon, c'est qu'on veut la moula des gens. c'est ça <laughs> Alors, on a... Euh... Est-ce que je nous des... des... Alors et pas Epacarita... Carita Witch! Mais ce serait trop bien. Mais parce que c'est pas nos sphélias, mais c'est nos fêtes de fin d'année, ça. La parodie, parodie de Poudlard et Harry Potter, on, fait, on a fait ça deux fois pour les fêtes de fin d'année. Ouais avec euh, RP en plus sur le Discord et tout, plus des cours ouais. de magie en live, euh, des des, un calendrier de l'avant, euh, genre dans la grande salle, avec un vidéo à gagner tous les jours grâce à Luna et tout, bref. Euh, ouais, des tournois les dimanches, ça dure pendant pratiquement un mois. C'est un événement euh, qu'on fait euh, les fins d'année. Un mois ouais. d'événement c'est pas du tout long. <rire> <rire> Surtout qu'on faisait ça avant, on n'avait pas encore la chaîne de la paix. Donc en fait, il fallait se balader sur euh, toutes nos chaînes <laughs> pour aller faire ça. Bref. mais On aime bien. On aime bien se compliquer la vie parfois. C'est vrai. C'est vrai. Et on a une nouvelle idée pour cet été. Mais on n'en parlera pas tout de suite. On en parlera plus tard. <laughs> Moi, je pense qu'on peut parler tout de suite, vite fait, euh, à aborder ça. Tant qu'on parlait de notre présence euh, à Security Twitch, euh, dire que comme l'année dernière, euh, on prévoit de faire la vente aux enchères. Oui, le, le dimanche matin. Oui. Et dimanche matin, brunch. pendant le prochain brunch de la semaine prochaine, il y aura une vente aux enchères sur cette chaîne, euh, donc au bénéfice, euh, tout sera évidemment au bénéfice euh, de l'association Handy Et c'est aussi le moment de, euh, de mettre en avant quelques créateurs qui ont bien voulu euh, céder euh, gratuitement quelques-unes quelques de leurs créations. Oui. Donc voilà. Qui... On les remerciera euh, évidemment très chaudement au moment venu. Vous pourrez les découvrir et vous pourrez euh, bah, si, 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 si leur univers vous plaît euh, 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 passer un peu de temps euh, sur leurs produits, sur leurs euh, réseaux sociaux, sur euh, voilà, voilà les, les découvrir. découvrir quoi. Euh, et puis sinon, on espère que bah, dans, dans tous les cas, euh, ça vous amusera et vous aurez des trucs que vous aurez envie. Tout ça pour Andy. Chien. Oui. Euh... Oh. Et en parlant de Carita Twitch, tout à l'heure, il y aura l'après-midi, qui sera hosté par votre servante, sur une idée de lout time. Nous allons faire un atelier sur les goals du, de l'after par Twitch. Voilà, parce qu'on a les goals communs avec les streamers. Vous savez avec les story time, les petits chiens, tout ça. Je ne sais pas si. Euh... Si Lulu a le visuel ou pas, enfin c'est pas grave. Est... On n'est pas du tout sur un panneau à visuel, je sais là, donc. Euh, alors, voilà. euh, alors, là de suite, là maintenant, je vais... Non non non. non, non. non, non. <laughs> c'est pour ça que j'ai précisé, on n'est pas sur, euh, en plus sur une scène de visuel, etc. Euh, mais euh, vous pouvez retrouver de toute façon les goals euh, avec le. Euh... Ah oui, les goals écrits comme ça, oui, tout à fait. Non non, il ne faut pas confondre. Ça peut être dangereux. Euh, il faut cliquer sur le lien à la fin et vous aurez les goals communs de tous les streamers. Euh, qui participeront au Caritas Twitch et les, bien sûr il y a des goals euh, personnels pour euh, pas mal des, des streamers participants et euh, par exemple bah, je donne juste un exemple vous aurez genre euh, Sassy qui va faire du Mario Kart euh, mais euh, vous pouvez euh, en fonction des des, des donations euh, vous pourrez lui compliquer la vie lui mettre des handicaps etc et il y aura des goals euh, plus bah ça passe un palier bah du coup les streamers feront tel gage plus tard ou... et donc on a des idées pour la paix mais euh, comme là a justement, faire remarquer, on pourrait vous demander vous ce qui vous ferait rire. Donc, on fera un petit atelier comme ça tout à l'heure en après-midi. Et puis, quand on aura bien bossé, on se fera un petit Gartic chaud, je pense, euh, au KLM. Voilà. Et merci beaucoup à Bigor pour le sub offert à Dreg. Merci pour le sub offert à Dreg. On va non. lire les ah, trois pardon. mots de. Et par mal, pardon, excusez-moi, je vous ai confié. Je suis C'est bon, t'inquiète. Alors, c'est tout pour moi. Ok. Euh, on a Pleurs, parce que du coup, comme d'habitude, j'en fais plein avec plein de matières différentes. On a Pinterest, merci là-haut pour ce react de légende, on, a, on, a, on va en parler tout à l'heure. Et euh, rire plus Conneries, j'ai l'impression de n'avoir fait que ça cette semaine. Et ben, tu sais quoi, il en faut des semaines comme ça, ok <laughs> La vie n'est pas juste horrible. <laughs> non mais il faut des... ça, arrive, euh, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Euh, la paix, c'est l'after par Twitch, euh, nosfelias alors du coup, on aime bien que la paix soit aussi rattachée à la paix dans le monde, machin, etc. Mais non, c'est ouais. A et P en majuscule. C'est ouais. C'est parce qu'une fois que tu as fini la fin de la fête sur Twitch, tu sais pas où aller. Et ben ça finit sur notre Discord, voilà. Puisqu'on est on est sur le même Discord toutes les trois plus Mr. Hudson qui est dans le chat et Flo voilà. On est cinq streamers hôtes, euh, sachant que on est euh, une <laughs> communauté. On a beaucoup de ce qu'on appelle le voisinage. On a beaucoup de, de potos streamers autour aussi, euh, qui traîne chez eux, qui traînent chez nous, tout ça, <laughs> voilà. Il y a trop plein de copains partout. <laughs> on a un peu une coloc en fait, tu vois, genre un peu avec les portes tout le temps ouvertes et où chacun a sa chambre. Il y a des salons et tout le monde passe et fait sa live tu vois. Ouais. Voilà. <laughs> bon, coloc du streaming. Yep. Et toi, Luna Alors non, tu rajoutais un thé. Et moi mes trois mots. Alors je vais dire malade parce que là' hein, pas de chanson hein, cette semaine, ça n'a pas été le, le feu de feu de feu. Je vais dire karina euh, euh, twitch parce que voilà euh, je vais utiliser la même cartouche que tout le monde. Ouais. <laughs> Et il de rien, c'est tout, tout plein de choses, plein d'organisation, plein de bons moments, plein de découvertes. Et euh, je vais dire euh, euh, envoi parce que j'ai toujours envoyé. Rien du que dalle, que chi. Là, il faut savoir que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de quelqu'un. J'ai toujours pas envoyé son cadeau, ça fait un an. J'ai encore celui de l'année dernière et je viens de le cumuler à celui de cette année. J'ai pas envoyé les cadeaux de Noël des copains. Voilà, je. je envoie, envoie, mais j'en en, en vois jamais. C'est l'attention qui compte. Non, mais en vrai, ils sont tous prêts, c'est ça qui est terrible. Ils sont prêts. Depuis que j'ai reçu euh, le dernier colis pour Noël, qui arrive en retard parce que punaise, j'ai pas eu de chance ils sont tous prêts donc c'était pas jamais du la force. les frais entiers euh... non il y a jamais des comestibles là hein, parce que moi je les connais non mais c'est surtout si vous m'envoyez des comestibles je vais pas les manger parce que du coup je sais pas euh... en vrai ça dépend où vous l'avez acheté tu vois mais genre moi je commence sur internet euh... j'achèterai pas du chocolat sur Amazon parce que j'aurais pas confiance je sais pas ouais ça me traiterait. donc euh, du coup je n'enverrai pas du comestible puis je préfère envoyer des, des... des... vous verrez je veux dire. Mm. Je me demande si je t'ai pas déjà envoyé du comestible. Euh, mais oui, mais ça dépend. Ça dépend, ce que, ça dépend. Mais je, je crois pas qu'il y avait de comestible. Okay. En tout cas, euh, ce, 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 voilà. moi, j'envoie pas de comestible, j'ai dit. On utilise beaucoup trop le mot comestible. Mais on est au brunch, rappelons que vous pouvez manger et boire. Comme ouais euh, mon magnifique dress euh, de café tiède. Mais je, 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 je... À la paix, on a un talent, c'est qu'on on voilà. sait donné donner envie. Ouais, on s'est donné envie. Le stream <laughs> n'est pas sponsorisé par euh, la ferme d'enchant, Petit Pois Courgette euh, Bio. Voilà, <laughs> parce que Je suis sûr que le dimanche matin, vous avez envie de prendre ça. Euh, mais moi, oui, en fait, En fait, c'est bon. En vrai, c'est bon. Hein. Mais, euh, juste, pourquoi euh... il rajoute un H Et pourquoi tu rajoutes un H comme ça Où ça, un H Ah, Luna C'est Luna, <laughs> <'est> Luna <laughs> ah Pardon. j'ai trop d'énergie Tu veux mettre un coup de H Attends, mais je crois qu'il vous lâche pas, j'en entends parler tous les jours, Hey, Cine, faut que t'ailles ah. chez Luna !» oh, <laughs> voilà, oui, que ça Pour les gens qui auraient raté ça, euh, c'était dans mon September, euh, en gros, je... bref, je dois faire un live chez euh, Luna. Non, ça d'ailleurs, attends, c'était… Euh... Si, c'est si septembre. Si, c'est ouais. septembre. Je dois faire bleu. un live chez Luna, alors Luna et son chéri sont ok pour me recevoir, par contre, ils déménagent entre-temps, donc je les laisse un peu s'installer tout ça. Sachant qu'on doit aussi faire du GTA RP avec Luna ici présente, sachant que j'ai jamais joué à GTA. Alors, on va lancer le, le jeu, jeu quand même. Hein. En fait, j'avais acheté le jeu, mais c'était avant que je change de PC, je me suis rendu compte que jamais mon portable, il allait faire tourner, tu vois, GTA. Il allait faire... <rire> 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 donc, tu vois, c'est genre, j'allais... Mon <laughs> premier crime dans GTA, ça allait être de tuer mon PC, donc mon portable a fait non. Ah, donc j'avais acheté le jeu pour rien. Euh, donc on fera du GTA RP, euh, pas au état Twitch je vous rassure, parce que je suis pas sûr que ça colle très bien à l'ambiance, euh, en l'ambiance potichien tout ça. Euh, mais euh, on fera qu'on se fasse ce fameux GTA RP maintenant. Il va falloir que, que tu lances le, le jeu d'abord, <laughs> parce que sinon euh, tu vas galérer, hein, si tu connais pas tes touches. Ah mais. Euh... J'ai hâte de ouais. voir ouais. Cinémoon tomber. Après je peux faire un RP, euh, je connais pas mes touches, c'est-à-dire je connais pas la vie. Genre veux je fais un suis RP. RP Captain America, tu sais quand il est genre cryogénisé et il se réveille en mode <laughs> oui mais il se rappelle comment il marche. Bah <laughs> eh ben, je serais une version 2.0 de Captain America mais qui sait pas comment il marche. Vois, qui genre... <laughs> ah non ça c'est toujours... <laughs> oh, bon, la touche. En... Oh mon clavier quoi. Pardon euh, mes os sont montés en <laughs> je... oh, C'est une porte de garage ça. Bref. Euh, voilà. En tout cas tout ça ce... ça se profile. Et... Voilà.

ça va, ça s'améliore hein, sur la synchro des jingles improvisés, là, ça va, ça va. Ça va. Attention, du ça. coup, on va vous mettre le premier clip. C'est un enfin, premier clip de, euh, euh, de chez Hudson, avec Ketiopé. Euh, Sachez que je l'ai vu, j'ai sursauté. Alors <laughs> vous avez sursauté, peut-être. Après, je l'avais ouvert et je n'avais pas vu qu'il était ouvert, alors j'ai été surprise, parce que je m'attendais à rien. <laughs> du coup, ça devait être. Rien, parce que du coup, je pensais pas qu'il était ouvert. Bon, allez, let's go hein. <laughs> J'essaie de me yeah. Ta pas aussi, c'est un peu normal. Ah, oh, attendez, il n'y a pas assez de son. faut que je monte le son de mon côté. j'étais en train de me dire pourquoi j'entends rien sur le stream mmh. mais en fait, c'est parce que mon son est à 1%. Non, mais euh, le ta son ta lampe est c'est un peu normal. Tu pas allumé, c'est bon. Tu sais que tu peux chercher les empreintes avec ta lampe normale allumée et la lampe <laughs> Et enfin Flo, tu vas pouvoir nous dire il était. Est-ce qu'il a été saturé Est-ce qu'on l'a entendu celui-là Parce que moi j'ai pas le son. Enfin j'ai pas le retour du va du... ah. Alors j'annonce, c'est très drôle parce que j'ai l'impression de me voir moi quand je joue. Euh, le mur écrit est saturé de la même façon que quand j'ai Jules et euh, surtout c'était qu'une apparition mais elle a quand même hurlé elle oui, est sortie de la maison <laughs> alors que la porte elle <laughs> était ouverte donc ça ni rien ah, moi je fais pas la différence non plus hein, entre les apparitions et, moi euh... non plus et vous savez c'est quoi le pire bah, si, regardez ça regardez bien attendez je vais vous le mettre en plus grand ça me paraît ultra important que vous regardiez bien regardez ça tu sais que tu peux chercher les empreintes avec ta lampe normale allumée et la lampe <laughs> la réaction de Stan était incroyable il a, il, a, il a même pas sursauté. Et ce qui l'a fait le plus peur, c'est son hurlement. Ça <laughs> m'a fait oh, c'est trop drôle. En tout cas, le clip fait par Katiope. Et c'était incroyable. Félicitations à tous les deux là. Moi, je trouve ça très drôle. On va regarder le deuxième clip qui est euh, sur la chaîne de là-haut. Ah. Pardon, ça me termine de voir les. À un moment y a... les idées idéaux... <laughs> je suis partagée entre what the fuck et putain c'est une bonne idée c'est pas une bonne idée là-haut <laughs> oh, wow. oh non laissez ces jeunes filles tranquilles Là-haut, c'est pas une bonne idée. Tu peux pas être, par être partagé entre eux. Faut quand eux. même non, je que une bonne idée. C'est trop bizarre. Rien que le sac. Là, il y a un sac à main. Euh... Euh... Je sais pas. Non, mais il a rien qui va. Enfin, à ce moment-là, on s'est perdu un peu sur Pinterest. On était parti des, euh, boute des bouteilles d'eau design. Ah oui, il ah. y a du chemin qui a été parcouru là. Parce que <laughs> la bouteille d'eau qu'on voit au haut à gauche, elle est pas très design. Hein, là. Là, elle était plus achetée à la poubelle. mais c'est très drôle parce que moi ce qui m'a le plus perturbé c'est le sac à main médicament. Et, la... Et pourtant je n'aime pas les poissons. Hein, donc voilà, mais le sac à main médicament, ça euh, m'a... Je te la... Pas ah, pardon. Ah j'avais même pas vu... Pardon. oui oh, il y a trop de trucs. Ouais, C'est-à-dire si vous regardez juste au-dessus c'est un toboggan rap. Ah ouais. <laughs> Alors ça c'est le cauchemar. <laughs> les, les, mais les, je pense que barres. les enfants quand ils tombent ah, du ben toboggan non. la première fois, leur cauchemar après c'est ça. Pas... Ou quand ils se sont la première fois. Ah ouais, non mais oui, tellement. Oui. Ou tu sais, quand t'as un grain de beauté en relief et que. <laughs> ah oui, bref. Souvenir d'une euh, date. Ah <laughs> euh, non, euh, mais... euh... Oui, la poubelle du recyclage, bien sûr, Gwen. Et par contre, oui, les, les queues de sirène comme ça et ce genre de délire-là en poupée, j'avais déjà vu ça. Et euh, mmh. ouais, j'étais un peu partagée entre le, entre le mais non, faites pas ça et le ah, oh, j'aurais adoré avoir sa gamine, ça se trouve, j'en sais rien. Je sais pas. Alors, moi, ce qui m'a gentiment perturbé, c'est ça, avant de voir qu'il y avait une tête en dessous. Ah oui, non. Oui, Au moment été... du scroll, ça n'allait pas du tout. Ouais. Voilà. Le petit poulpe, il est marrant. Moi, j'aime bien le petit poulpe, par contre. C'est bien si quelqu'un te fait chier en classe, tu vois, t'as ton petit poulpe qui veille sur toi. <laughs> Je Et pense que les gens te font ça, chier hein. en, a... en classe <laughs> parce que tu as un poulpe sur la tête. <laughs> Et euh... Moi, je pense que si c'est un bébé yakuza ça marche tu vois genre tu prends pas mal à mon poulpe je te défonce voilà j'aime bien quand Lunari, j'aime la faire rire. rire. Alors voilà pour les clips. Il n'y en a que deux. On va pouvoir faire le petit sondage. J'en ai bien, si tu veux... Pardon. Pardon. Ah, J'ai pas beaucoup de clips cette semaine, euh, désolé, mais j'en ai, j'en ai quand même, j'en ai un de Gwen Elf. Avez-vous entendu euh, voilà. Qui... Attention, ça va faire peur, il a pas besoin de, de sirène là pour faire peur. Non, mais... Euh... Attends. Attends. Yes, c'est un train.

Avez-vous entendu parler de l'after Twitch Vous avez vu mes belles épées derrière C'est la Time qui m'a guidée. Elle est, elle est, elle est sympa là-haut quand même. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Smart Deal aussi On va bientôt lancer une campagne Ulule d'ailleurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir. Dedans, vous pouvez retrouver l'ami Psychrane. Ah le... <laughs> Ah, le, le Philippe, où tu te caches Ah, merci euh, d'avoir lancé ça, Alixal. Ah, ah oui, le « Je veux devenir paladin ah, ». On s'en lasse pas, on s'en lasse pas. Je recevrai euh, Iptis demain soir sur ma chaîne, d'ailleurs, pour un, un petit euh, live-concert. Comme vous le savez, c'est les vacances. Après, euh, après Fall Guys, Voilà, on va aller hier euh, sur euh, la paix. Euh, demain, ce sera un petit live Iptis. On fera des reprises, hein, euh, baby one more time, tout ça. Euh, probablement aussi des Foo Fighters. Avez-vous entendu parler Oh mon dieu, c'est. Euh... Alors tu vois, tu te souviens euh, Alors mot pour mot, j'aimerais, repasser ce que où a dit euh, entre euh, what the fuck et euh, quelle idée de... incroyable. Je repasse. Il y a un moment. Alors. alors. Ça, c'était le, le, le... En fait, j'ai des points de chaîne, l'after par Twitch, où je dois imiter euh, l'un d'entre vous, un des cool. collègues hôtes. Et euh, je l'active pas tout le <laughs> temps, mais là, bah, quelqu'un l'a activé. Je sais plus qui l'avait activé d'ailleurs. Euh, le clip était de Gwen, en tout cas. Et donc, vous l'aurez deviné. J'ai bien sûr imité la hot time. Non, j'ai imité Hudson. <rire> voilà. Oui, <laughs> c'est très, très drôle. Parce que du coup, tu as tout enchaîné. Ah bah voilà. Pas parlé de backbone, c'est dommage. Ah euh, bah, j'ai parlé des pistes quand même. Ouais, c'est voilà. Mais ouais, j'aurais pu dire, ils ont entendu parler de backbone, c'est vrai. Après, c'est de l'impro, hein. Voilà. Euh, non, mais il euh, mais a pas de. il a pas de ceci, hein. <laughs> ok, bah, du coup, au niveau des clips de la semaine, donc on en a deux euh, qui se battent en duel. C'est dommage que j'ai pas vu avant. Ok. Petit trou triste. <coughs> euh. <coughs> si on a mm -hmm. des nouvelles euh, des réseaux sociaux, des choses ah comme oui. ça, on peut ah en oui parler. On peut mettre ah en avant des, des, des choses cette semaine ou les semaines d'avant, comme on veut. Il y a eu des trucs cette semaine. Vous avez des, des trucs Il y, y a un truc. Il y a un truc. Euh, la vidéo YouTube, tu te souviens de, de, de Squeezie là, que tu que avais linkée mm -hmm. En gros, il y a Squeezie, Gotaga, Gotaga et, et euh, ah oui. pas l'autre j'ai perdu le nom Kameto. ils ont fait le tribunal des bannis en j'aime bien le comment il s'appelle déjà l'autre merde ah oui c'est vrai le gars a plusieurs millions de followers là l'inconnu l'inconnu l'autre l'autre là l'autre mais il avait sa capuche là aussi il faut le reconnaître dessous ah oui c'est bon quoi ce dimanche matin là ouais donc ils ont fait une vidéo tribunal des bannis mais genre en vrai euh, et donc, bah, ça faisait à la fois humour et prévention, normalement, sur le harcèlement et tout. Sauf que le message n'est pas bien passé. Les calculs, ils sont pas bons. Kevin, parce qu'il y a une meuf qui apparaît dans la vidéo, qui est dans le public, qui s'est fait harceler sur les réseaux sociaux parce que elle, elle, elle donnait un peu un contrepoint premier degré. Alors en plus, elle expliquait qu'apparemment, on lui avait demandé, euh, la prod apparemment lui avait demandé de, de rester un peu euh, genre premier degré de tap. Bah justement pour faire. un moi j'appelle ça un contrepoint je sais pas quel mot ils ont utilisé mais vous savez dans une vidéo enfin tout est question un peu de rythme mais ça il y a des gens qui ne comprennent pas que si c'est tout si c'est tout le temps la, la, la gaudriole, tu vois ben forcément ça retombe un peu au bout d'un moment donc c'est bien d'avoir des gens et surtout dans une vidéo qui parle de harcèlement d'avoir des moments sérieux pour rappeler quand même que ben, non, ce c'est pas drôle et qu'il y a des trucs qui sont graves quoi sauf que ben <laughs> ils s'en fait dire ça par une femme ah! Oui, ah évidemment, ah. Internet n'aime pas quand les femmes disent des trucs au oh bout Elle n'est pas drôle, elle n'a rien compris. Et bien sûr, ça s'est mis à sur le physique, sur comment elle était habillée, etc. Moi, je est-ce qu'on juge les vêtements de vos mères Putain, c'est bon, laissez-nous <laughs> <'est> tranquille. <laughs> non, d'ailleurs, qu'on juge leurs vêtements tout court. <laughs> tout court, non. Voilà. voilà. Donc, en fait, euh... oui, elle est au premier degré, mais je pense que c'est ce qui lui a été demandé. Et dans tous les cas, ce pas une raison pour attaquer sur le physique, sur le machin, sur le truc, quoi. Euh voilà Puis même euh, si c'est son avis pur et dur, euh, elle la loi droit. Non, mais c'est surtout qu'en plus, elle, parlait, elle répondait à des mecs qui avaient fait des dingueries, tu vois. Enfin, ouais. qui avaient dit des mecs qui. Et eux, ils passent un peu pour les héros quand ils se défendent, tu vois. Mais elle, parce qu'elle dit, elle rappelle deux, trois, frais, deux, trois faits. Voilà, elle s'est fait défoncer sur les réseaux. Donc Squeezie a tapé un gros coup de gueule. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ça le... c'est que il... c'est bien quand même, parce que maintenant, j'ai l'impression que les créateurs de contenu, en général, les, les gros créateurs de contenu. Euh... Euh, bien sûr, euh, parce que j'ai pas la prétention d'être au courant de l'actu de, euh, des millions de créateurs de contenu sur Terre, mais j'ai l'impression qu'il euh, y en a beaucoup qui prennent la responsabilité chez les très gros créateurs de contenu en mode euh, bah non, en fait il y a des trucs qui se font pas quoi. Euh, et là uh, Squeezie il était vraiment super énervé. ça s'est senti, il hein, y a des vidéos qu'on tournait sur euh, justement le, euh, le, euh, bah, le fait que, euh, parce que la, la jeune femme s'appelle Audrey, qu'elle avait été. Euh, Harcelé sur les réseaux et uh, ce que il a bien fait comprendre il a fait mais en fait euh, ouais il a bien fait comprendre aux gens mais vous êtes con ou quoi enfin je veux dire on fait un truc sur le harcèlement qu'est-ce que vous faites premier truc vous harcelez une, une meuf quoi qui en plus enfin no reason quoi donc euh, non, non c'était très bien qu'il ait pris euh, il a pris euh, sa responsabili responsabilité c'est pas lui qui avait harcelé mais comme c'était suite à sa vidéo enfin j'ai trouvé que c'était euh, c'était bien tu vois qu'il il a pas attendu il a fait son truc et tout en vidéo c'est clair tu vois c'est cash euh, c'est bien ça c'est euh, voilà il ouais. y a eu un mec ouais, qui a leak le numéro en ligne, qui a essayé de gratter un passage dans l'émission de Gauthier en pleine émission. Voilà. Franchement, elle avait toutes les raisons de gueuler. Oui, non, non, bien sûr, c'est après ça, c'est voilà. Mais dans tous les cas, euh, rien ne justifie effectivement le, le harcèlement, quoi. Donc euh... voilà. Et euh, voilà. Versus ça, à côté de ça, Tamara Marvel Fitness qui revient pour dire que euh, si, si, les meufs, elles aiment forcément les mecs musclés, sinon c'est des menteuses et qu'il y a tel YouTube oh, wow. qui fait ça et que c'est menteuse. Enfin bref. Voilà. Oui, parce que oh, la oh, beauté oh. est, est unique évidemment. J'ai regardé sa vidéo, j'ai fait wa frérot non. Bah, il y a des <laughs> gens, ils sont juste perdus hein. Non non bah après ça voilà, est forcément quand tu prends les extras. De... <laughs> Donc ouais non non deux salles deux ambiances voilà on peut dire que en tout cas cette semaine personnellement je trouve que voilà euh, le le, le move enfin d'excuse de Squeezie je trouve était plus sympa que la dernière vidéo de Marvel Fitness oh surprise <laughs> voilà, bref et je trouve que Squeezie fait quand même pas mal d'efforts de, euh, euh, dans ce sens-là enfin, il n'est évidemment pas parfait comme personne sur cette terre mais euh, il essaye il essaye vraiment d'être responsable vis-à-vis -vis de l'influence qu'il a et dans le bon sens c'est-à-dire qu'il essaye de faire évoluer les gens il de on peut ne pas apprécier son contenu ça, ça il oui, n'y a oui. pas de discussion là-dessus. Mais euh, je trouve que tous les efforts qu'il fait sont, sont quand même euh, assez louables. Et moi, je ne l'ai pas regardé cette vidéo avec Gotaga parce que euh, juger des gens et demander à des gens de se justifier, ça me cringe fortement. Et, mais je suis, euh, je suis contente d'apprendre ça. Du coup, que il... enfin, je ne suis pas contente d'apprendre que quelqu'un s'est fait harceler, évidemment. Je suis contente que, que, que derrière, il, il ait réagi. Alors donc, sur le sur le, côté, sur le côté juger des gens, je suis d'accord. Euh, maintenant, euh, ils ont pris un ban, ils demandent, il faut une demande de déban. Bah de toute façon, même nous, on est confronté à ça des fois. En général, c'est plus ah. drôle qu'autre chose, et c'est ok de recevoir cette demande de déban. Maintenant, le fait de le faire en IRL, du coup, c'est un peu différent parce qu'il y a cette frontière de l'écran qui est passée. Et j'avoue que j'étais pas toujours très très à l'aise, tu vois. Mais en vrai, euh, ils sont tous, ils ont ils ont tous essayé de faire de l'humour quand ils ouais, ont fait ouais, ouais. leur truc. En vrai, ouais. en vrai euh, je, je comprends que ce soit cringe. Moi, j'étais pas très à l'aise au début. Il y a des moments où c'était très drôle. Il y a un PowerPoint qui était très drôle. Enfin, je, je, il y a des trucs qui étaient très drôles, tu vois. Et, et après, voilà. Le principe concept, de, de juger, non. Le fait de demander l'avis des personnes dans le, dans le public, je pense que c'est pour l'interaction. Mais j'étais pas forcément pour. Mais c'est vrai que le côté. Euh, bah, de toute façon, ils ont été bannis, donc euh... ils avaient forcément ouais, fait des dingueries. Euh, ouais, je suis d'accord. Et, euh, et puis même aussi, le, euh, montrer que c'est pas parce que ça se passe en ligne que ça se passe pas en vrai aussi. Ouais, c'est une manière de, gens, le mettre, euh... Euh, ouais, de le mettre en avant. Mais on n'a pas l'habitude de ça et c'est un peu cringe. Là, je vois ce que Alex Easton dit. Et je suis aussi un, un, entre les deux. C'est-à-dire que ouais, ça me cringe un petit peu de faire du divertissement là-dessus. Et en même temps, c'est une manière d'en parler et que ça reste pas tabou. C'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas... et c'est pas toujours évident, surtout pour des gros streamers comme ça qui sont full divertissement. Euh, je ne les vois pas faire une vidéo hyper sérieuse sur le sujet en med. Ils peuvent le faire, hein, mais euh... et je pense qu'ils connaissent un peu leur, leur communauté. Ils connaissent Absolument, un petit peu ouais. euh, quels sont les moyens de pouvoir les toucher, mmh. de pouvoir les éduquer sans, sans, être, sans être trop... Euh... Bah, trop premier degré, du coup. Euh... Voilà. Et il y a des maladresses, hein, ça arrive. On a vu, euh... <laughs> on a vu des sujets euh, Alors, qui ont été parlés maladroitement, mais bon. Il bah, y a ça. Et puis, euh, en fait, le, le fait de créer du divertissement sur des faits de harcèlement, insultes en fait, euh, faut pas oublier que par exemple, même un film, c'est du divertissement, et qu'il a des, les films vont traiter des fois de vrais cas de harcèlement, d'insultes, et bien sûr de choses encore plus graves. Hein, on est, on est là, on, là, on parle d'harcèlement, etc., ce qui est déjà assez grave. Euh, et en fait. Des, des fois, y compris des comédies en fait je pense pas que ce soit moi à titre personnel je pense pas qu'il faille mettre un, un un tabou effectivement dessus comme disait là-haut ça permet d'en parler par contre effectivement il faut que ce soit bien fait et, euh, et c'est vrai que on voit là que bah, vu que le message passe pas forcément on voit que c'est tricky ça je suis d'accord et je comprends pourquoi ça met euh, mal à l'aise et c'est pas n'importe qui qui peut, qui peut faire ça sans que ce soit euh, bah, glauque tout simplement quoi en fait. Yep. Mais ça, pour le coup, c'est très subjectif. Donc, euh, je comprends effectivement le malaise qu'il peut y avoir. Mais euh, je suis d'accord avec là-haut. Je voudrais ça, revenir sur un fait euh, de l'actualité euh, instantanée. Notre commune est tellement mignonne qu'ils ont fait un, un juste milieu entre le premier clip et le deuxième. C'est 3, 3 contre 3. Donc, euh, prout. <laughs> et et ça, bien, pas à, faire de à la choix. réponse. <laughs> c'est pas grave, il y a deux à paparazzi hein, si, si ouais. les, deux, euh, les deux sont choisis les deux sont choisis Et ben on, oui. on, on, repasse, on repasse les deux ensuite on écoutera si là-haut elle a une, une, petite, euh, une petite nouveauté à nous, à nous expliquer à nous exprimer on va, va d'abord repasser les clips comme ça bon, après je peux fermer les pages <laughs> Et euh, comme ça après on se détend après le clip de Cassiopée hein. <laughs> on repasse du coup le clip d'abord de chez Hudson c'est un peu normal tu sais que tu peux chercher les empreintes avec ta lampe normale allumée et la lampe. Alors <tousse> enfin, Flo, tu vas pouvoir nous dire il était. Est-ce qu'il a été saturé Est-ce qu'on l'a entendu, celui-là Parce que moi, j'ai pas le son. Enfin, j'ai pas le retour du, du live. <tousse> Ça va <tousse> Et ta lampe aussi. J'ai quand même sursauté. Alors que je le savais, je m'y attendais que j'avais fermé mes oreilles et mes yeux. Et je vais repasser celui de chez Lao et de. Bon, on va aussi repasser celui de chez ciné On l'a pas tous aujourd'hui, ok Non, 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 c'est bon, on va pas me revoir, Initot, ça Non, On On compète. N'abusons pas des bonnes choses, n'abusons pas des bonnes choses. On repassera quand j'aurai eu un Oscar pour le rôle. Ok, bon, bah celui de là alors. Je suis partagée entre what the fuck et putain c'est une bonne idée oh, wow. oh non laissez ces jeunes filles tranquilles Je viens de qu'il y avait aussi une meuf avec une chèvre dans les cheveux. Bref. Ah non, mais euh, on en voit. Euh, tout plus on regarde, plus on voit de choses. Oui. C'est le dérangeant, infini. La vallée de l'inquiétante <laughs> étrangeté du de, de Bref. Voilà. Tout ouais. à la fois. En tout cas, félicitations à hein. nos deux appâts paradis. Oui, merci à vous. Merci pour oui. les clips. Ban <coughs> Oh J'allais dire Dreg. <laughs> Dreg, <Drake>, Jelly, <laughs> on a un bot dans le chat. Et le dit ouais, avec le Red. Oui, d'ailleurs, coucou Jelly. Oui. Alors là-haut, euh, j'ai une petite actualité qui, euh, qui m'a laissé. Je ne sais pas trop quoi en penser, donc peut-être euh, que vous, vous aurez plus d'idées. Euh, je crois que c'est cette semaine. Euh, J'ai vu, euh, euh, sûrement que vous êtes au courant, euh, Gims qui est passé à la radio et qui a parlé euh, euh, du continent africain en sortant que sur les pyramides, les toits étaient en or et que du coup, euh, c'était pour capter euh, des ondes. Enfin je sais plus comment il a expliqué, j'ai un peu oublié. Étant donné que c'est pas logique, j'ai du mal à. Pleut des pyramides qui étaient censées être en or conducteur et du coup, c'est prouvé qu'ils avaient voilà. si de l'électricité. Prouve... <laughs> de... de... <laughs> voilà. Donc ça prouvait que c'est c'est le chemin. C'est le <laughs> truc. Merci de me donner mon texte. <laughs> voilà, et ça prouvait que du coup, ils avaient de l'électricité, qu'il y avait des machins, etc. Au cas où enfin, là, et au... il a sorti euh, plein plein de choses, et comme ça n'a pas de sens, je n'ai pas bien retenu. Euh, par contre, ce que j'ai vu après, c'est euh, les influenceurs, du coup, euh, et notamment les influenceurs euh, euh, histoires comme Nota Bene ou d'autres, euh, débunker euh, ce qu'ils disaient et qui avait pas forcément besoin. Et, <coughs> et en même temps, envoyer des messages à Gims en mode oui, euh, si tu veux, euh, si tu veux euh, en parler, pas de souci, tu peux venir euh, sur la chaîne, euh, pédéder, on peut discuter ensemble. <laughs> Et euh, alors je trouve ça cool qu'il y ait des gens pour informer, et en même temps je me dis, euh, à chaque fois ça me... Je, je suis partagée entre le... Oui c'est normal qu'il y ait des gens qui, qui réagissent, et euh, t'es pas en train de juste euh, du profiter du... <laughs> enfin, je, je, à chaque fois je, 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 je suis entre les deux, et je sais, j'ai du mal à mettre des mots de pourquoi ça me gêne. En fait c'est peut-être l'invitation. Et en même temps, s'il avait fait juste. Je pense que s'il a par exemple nota Bene, s'il avait fait juste le débunker ce qu'il disait, ça pourrait paraître. Il y a des gens qui pourraient, pas, qui pourraient le juger en tant que euh, juste méchant avec Gims, enfin, peu importe ce, ce que Internet peut dire. Et je pense que son move aussi de dire pas d'ouverture, c'est pour dire bah, je suis pas en train de clasher Gims, c'est juste. Euh, c'est important de dire euh, les choses telles qu'elles sont. Et si je fais aussi cette invitation, c'est pour pas avoir toute une montée de de toute façon, si tu parles mal à Gims, c'est parce qu'il est noir. Bref. Ou peu importe la raison. Oh, J'étais pas du tout au courant de tout ça. Ah non, non, mais il n'y a pas eu... C'est moi, c'est moi dans ma tête. À non, chaque fois de... que je reçois tout, de... tout ça. J'étais au courant de rien. Bon, ben bah, voilà. Et euh, c'est toujours très particulier. Euh... Donc moi, ça me fait poser, outre le fait que, déjà, comment Gims a fini par, par, par penser ça qu'est-ce qui s'est passé bah, quelqu'un a-t-il eu un une peu raison la veille <laughs> <laughs> bah, bon, beaucoup de beaucoup 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 de gens qui ont des croyances comme ça en fait on en a tous euh, nous peut-être aussi hein, le en fait ça relève au, du complotisme je pense que Hudson serait ravi d'en parler aussi <laughs> c'est ça relève des de, de, de théories du complot tout simplement et donc il y en a beaucoup qui existent et il y en a beaucoup qui sont en fait, personne ne croit au même, mais euh, malheureusement, oui, il y a beaucoup de dingueries comme ça qui, euh, qui circulent. Après, euh, là, pour le sujet de là-haut et de est-ce que euh, c'est un peu malaisant qu'ils récupèrent, il le Buzz Tout J'avoue, moi, j'aurais tendance à dire c'est ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, ce sont des personnalités publiques. Il y a une personnalité publique qui dit un truc scientifique faux. Je me dis, les personnalités publiques de la science, bah, en fait, s'ils ne proposent pas d'inviter et s'ils ne disent pas, bah, gars, viens, on en parle. Euh, c'est quoi leur rôle, tu vois? Parce que justement, si, si le débat est déjà dans la place publique, les gens parlent déjà de ça, de Gims, machin, il y a sûrement d'autres gens qui croient ça. Bah, je me dis autant que les personnalités euh, publiques liées à la, à la vulgarisation de la science disent, bah, let's go, on rebondit là-dessus, et euh, ouais, on le fait. Je me dis, ils n'ont pas besoin en fait du buzz de Gims, tu vois? C'est enfin. Tu vois, c'est pas comme si moi, là, par exemple, euh, je, je, je sais pas comment je me déviendrais pour. Parce que je, de toute façon je suis très très nul pour réfléchir en ce terme-là mais euh, si je me démerdais pour aller j'en mettre un de mes tweets en super valeur en disant ouais vas-y Gims, viens on va parler sur ma chaîne tout moi ça n'a aucun sens mais bref euh, là ouais ce serait un peu genre gratteuse de buzz tu vois mais des gens dont c'est le boulot en fait tout simplement de vulgariser la science euh, et justement, de parler aux gens, un vrai débat avec justement une, une star comme Gims, je pense que c'est limite ce qu'on attend d'eux. En fait, limite ce genre de message, c'est ce que les gens vont attendre d'eux. Et en fait, je pense qu'ils disent ça aussi pour pas insulter le gars, parce que sinon, ils ont juste envie de dire, mais gars, euh, euh, frérot, euh, frérot, tu débloques, tu vois. Donc, euh, voilà. Je <laughs> crois qu'on qu apprendra qu'il veut dire quelque chose. <laughs> Il le prendra. Non. Alors, on veut savoir, c'est quoi la réponse de DF, du coup Ouais, Peut-être sur Twitter, quelque part. Ah, il saoule. Retourne pas en l'arc. Donne-nous la réponse, la peindre. <laughs> Avant de retourner en l'air. Ah, je l'ai fait, Malouna. Bougez pas. La réponse d'EDF, c'était. Oh. Alors, attendez. Parce que je vais vous partager ça. Je vais carrément vous partager Merci, un peindre. gros plan de mon écran. Alors, non, c'était pas ça. Non, non, c'est toujours pas ça. <rire> <rire> Ah, pendant, que, pendant que Luna affiche ça, où oui, Voilà. voilà Il faut une officielle des pharaons. Après, c'est dangereux. Vous voyez, ça, c'est dangereux, par contre. Parce que là, ça nous fait mais rire. Ils ont raison enfin, eux, de faire rire. Oui, Il y a oui, mais en dessous, en fait, non, Monsieur Gims, quand même pas. Ah oui, d'accord, ok. Mais on est certain mais... que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisi. Euh, c'est très drôle. Par contre, fournisseur de nos musées depuis longtemps, n'est-ce pas? L'Égypte et plein d'autres endroits, genre. À l'Égypte, oui, oui. Bon, ça, c'est. <laughs> on va pas du tout pillé, plein de trucs. Mmh. Genre oui, et puis mmh. on a du mal à leur rendre aussi, hein. Ouais, voilà. C'est. Non, mais c'est très drôle. On dit toujours qu'il y a un peu la différence entre un Indiana Jones, et un pilleur de tombe, tu vois, genre. <laughs> mmh. <Hey>. Mmh. <laughs> Alors du coup, euh, venez, on parle de jeux vidéo maintenant parce que ça part loin. Hein oui. <laughs> et en plus, j'aime bien parler. On n'a pas parlé de Blanche Gardin. Non, je plaisante, on ne va pas se lancer là-dedans. <laughs> je joke, c'était une, une joke. Une com à la Burger King, pour une fois qu'une entreprise française a une com drôle et un... dans un bon timing, il faut le dire. Moi, je suis assez d'accord. J'adore euh, euh, la com de Burger King, je les trouve très, très drôles. Toujours, euh, il oublie jamais euh, le coche. Et là, je trouve que pour le coup, euh, la euh, EDF, oui, c'est heureusement qu'ils derrière ils disent que c'est pas vrai, mais je trouve ça très drôle. Euh, bah, comme c'est mon travail, euh, je trouve ça très drôle et je trouve ça relativement bien porté. C'est comme euh, euh, le petit clash de EDF euh, la SNCF, EDF, SNCF. Je crois que c'était ça. Euh, il y a quelques temps, il y a eu un, un petit clash très drôle. Euh, il y a peut-être euh, maintenant six mois, je pense. C'était très drôle. C'était vraiment très drôle. Je trouve que c il faut que ce soit drôle. Mais du coup, on va parler jeux vidéo parce que je pense que je vais vous dire. Est-ce que vous êtes ridicules Est-ce que vous êtes déradis Oui. Des oui. Radis. <rire> <rire> ah non, ce... pardon. Vais... <coughs> on va parler des jeux vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de huit jeux vidéo. Le premier, c'est Green Reaper. Je vais vous faire comme d'habitude, je vais vous mettre le petit trailer. Pourquoi ça oh, va pas la l'air incroyable ouais. oh oui, <laughs> ça, ça marche je vous mets le petit euh, je pas grave mon cache parce qu'il faut que vous voyez bien moi on voit la réaction des filles moi je, je vous mets le petit trailer et euh, on en parle juste après <music> Donc, je vais vous parler de Green Reaper. Vous venez donc d'en voir le trailer. Est-ce que la a disparu Je suis là, je suis là. Tout va bien. Alors, Green Reaper, c'est un hack and slash à la troisième personne dans lequel tu incarnes une rose ensorcelée qui a un nom. Je n'arrive pas à le dire. Je ne sais pas comment il se dit. Alors, je ne le dis pas. Et donc, tu es ensorcelée par la déesse Anteia. Vous avez vu ça J'ai réussi à le dire. C'est la, euh, la petite statue que vous avez vue en gros pour protéger la serre. Donc, en fait, vous êtes dans une serre. Vous êtes une toute petite fleur. Et euh, elle est envahie par euh, bah, des champignons principalement. <laughs> et il euh, faut, euh, faut sauver la déesse et restaurer l'harmonie dans la serre. Donc, le jeu, euh, euh, le, la date de sortie du jeu est prévue pour le 28 avril. Et il sera gratuit. Il est important de savoir, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai essayé de comprendre pourquoi il était gratuit. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose c'est que c'est un jeu vidéo qui a été créé à la Digipen Institute of Technology. Et donc, elle a été faite par des étudiants euh, dont c'est le travail. Et euh, tous leurs jeux, euh, sur Steam en tout cas, sont gratuits. Il y a énormément de styles différents. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit, vas-y je peux pas ne pas vous en parler. Après, il y a très peu d'informations, et en même temps, je pense pas que ce soit un jeu excessivement long à jouer. Donc, forcément, plus il y a d'informations qui limite, moins c'est y a d'intérêt à jouer au Mais je le trouve joli, et je le trouve intéressant. Euh, et du coup, je voulais absolument vous en parler parce que aussi ce côté ben voilà c'est euh, euh, Bissou il arrête jamais hein <laughs> donc voilà il y a ce côté euh, c'est créé par, euh, par des étudiants euh, donc, qui apprennent ce travail et, et, et j'ai trouvé ça très intéressant à vous présenter qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez un avis euh, J'ai été surprise de la différence entre la DA de l'artwork et la DA euh, du jeu mais j'aime euh, pas, pas dans le mauvais sens juste, je m'attendais pas à, à ce que ce soit un, un 3D aussi pipou je m'attendais de plus à un truc un peu à la Hollow Knight euh, vu le truc euh, après euh, il a l'air sympa je comprends le côté je pense gratuit aussi c'est parce que ça se passe que dans la serre donc tu dois pas ça doit pas prendre beaucoup de temps mais il a l'air assez euh, assez agréable moi je pense que c'est à euh... cause du fait que c'est des étudiants et que c'est directement l'école qui a son propre studio donc, c'est jamais les mêmes personnes dessus les projets. Ouais, mais du coup, il pourrait peut-être... Euh, enfin, je, ouais, il y a peut-être des trucs de loi derrière. Tu peux peut-être peut pas faire... Ça m'étonnerait que tu puisses pas faire travailler des étudiants. Tu vois, genre, pour pas très cher. De... Enfin, bon, bref, j'en sais rien. Euh, mais je trouve ça cool de, de pouvoir... Euh, Qu'il y ait des projets comme ça qui sortent euh, d'école, enfin, qui travaillent sur des choses qui, qui, va être, euh, qui vont être vraiment utilisées par des, par des gens, quoi. C'est bien quand les écoles font des choses réelles. Voilà, ça va être... Euh... <laughs> Mon commentaire le plus, le plus intelligent de, de cette critique. <laughs> ok. Est-ce que Sin, tu as un avis Est-ce que tu veux en parler Parce que pas du tout. Oui, non. Euh, ça a l'air très mime. On sent que enfin, quand, je regard, quand je regardais le trailer, je me suis dit tiens, euh, j'ai l'impression qu'il manque un peu de moyens pour euh, l'animation. Même, euh, même les sons, je trouvais ça un peu. Euh, genre, les sons, là, quand. Euh, quand, euh, quand euh, bah, du coup, le héros ou l'héroïne attaque j'étais là j'entends les sons sont, me paraissent bizarrement choisis et tout enfin pour moi il y avait il y a quelque chose de pas forcément euh, totalement abouti dans le dans la, la vidéo mais j'arrivais pas trop à savoir euh... et en fait quand tu as expliqué que c'était euh, un peu le côté projet étudiant et tout je me dis bah du coup euh, c'est hyper shadé quoi si c'est pas euh, si c'est pas un produit euh, vendu euh, par un studio fini etc genre qu'ils le vendent pas euh, 20 balles et tout et que c'est 107 giga fini et compagnie là aucun problème quoi clairement aucun problème euh, le personnage principal me fait penser un peu à Roselia dans, dans Pokémon. Elle, ah oui, euh... c'est ça. <laughs> oui. Je me suis dit ouais, c'est la version, euh, c'est la version faux de Rosélia <laughs> Mais euh, non, 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 il y a des, il il y a des très, belles choses. Et oui, effectivement, euh, si on préfère les champignons aux fleurs, euh, perturbe. Euh, bah, je sais pas si on peut inverser le, le scénario, mais. Euh... pour ça Mais ouais. <laughs> Non, non, c'est très, très. Ah, il y a, il y a Alexis Stein qui nous dit qu'il y a 81 jeux sur Steam mmh. par DigiPen. Ok. Ouais. Bah, une du école, coup, c'est tous euh... les projets de leurs étudiants. Oui. En fait. Ok. C'est ça. Et euh, si j'ai bien vérifié, ils sont tous gratuits. Donc, je me dis que c'est sûrement pour ça, parce que justement, c'est des projets étudiants que ça mmh. a été mis gratuit. Non, mais c'est classe hein, comme projet étudiant. Enfin, ça a de la gueule. C'est. Euh, c'est. Euh, il y a, y a un petit univers et tout y a un... en plus il y a une arène bien bien délimitée enfin je ça... en fait ça a l'air bien dosé quand même pour le pour le côté après c'est vrai que niveau enfin pour le côté un peu poétique... enfin je trouve que l'ambiance qu'on retrouve dans l'artwork, pour retrouver euh, à ce niveau là un peu de donirisme de, et de euh, de beauté en 3D de beauté il faut un petit peu de il faut un petit peu de temps et de thunes quoi et de ce mmh. il Mais, sort euh, sur PC euh, voilà Okay. Le 28 avril, t'as dit, c'est ça Le 28 dit, ça. avril, c'est ça. Vendredi prochain. Mais vendredi prochain, vous serez tous occupés à venir au Carita Twitch. Vous n'aurez pas le temps. Vous y jouerez euh... <laughs> le 1er mai, c'est pas grave. Voilà. Ça <laughs> ouais, <on se> fait rien, on rappelle, après le Carita Twitch, vous pourrez vous reposer. Hein. Vous jouerez à tous les jeux vidéo que vous voulez, mais après le, après le Carita <laughs> Twitch. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était mon premier... mon premier jeu à vous proposer. En second jeu, je vais vous parler de Above Snake. On va passer le trailer euh...

Snake, c'est un jeu de survie en monde ouvert dans un univers Far West post-apocalyptique. <laughs> Donc, alors, la première chose que je vais vous dire, c'est, il est actuellement en démo du déroule à une près de deux heures et je l'ai testé avec Pandra euh, jeudi en live sur la chaîne de l'After par Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la route si t'as tapotant. Forcément, c'est que la démo, donc il n'y a pas encore de tout, c'est le prologue plutôt. Donc, euh, dans le jeu, il faut découvrir ce qui se passe, il faut comprendre ce qui se passe. Moi, je ne vais pas vous spoiler, mais l'idée est à peu, près, euh, à peu près comprise. Et pour X raisons que je ne vous expliquerai pas et qu'on ne comprend pas totalement, il y a des zombies. Et donc, il faut sauver des gens, tuer des zombies, survivre dans le monde. Vous avez remarqué que le système de cartes est incroyable. En tout cas, moi, je le trouve incroyable. c'est... Euh, vous avez des pastilles et vous mettez vos petits, vous avez des des petits, des petits carrés que vous débloquez au fur et à mesure et vous mettez vos petites euh, vos petites euh, cartes euh, vos petits morceaux de map partout et, et vous faites votre map euh, à votre façon vous avez aussi un système de craft un système de construction de maison et ça c'est trop bien franchement je trouve ça très 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 joli et euh, il faut penser à boire à manger à remonter sa santé mentale à dormir à, à faire des quêtes euh... Le système de tuiles m'a beaucoup fait penser à Dorf Romantique. Parce que t'es obligé de mettre des tuiles hauts à côté des tuiles hauts, mais du coup t'as des demi-tuiles machin, bidule, etc. C'est très cool. Euh... Donc, oui, voilà. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours tester le jeu avant sa sortie. Le jeu est pré... La sortie du jeu est prévue pour le 25 mai. Euh, mais il faut savoir aussi que les développeurs du jeu sont, euh... sont super proches de leur communauté. Ils ont un Discord très actif. J'y ai passé quasiment une semaine à euh, passer quasiment, enfin je n'ai pas écrit mais j'ai lu, j'ai profité de l'ambiance pendant une semaine et, euh, et ils sont très à cœur de satisfaire euh, leur, euh, leur communauté. Alors à la base c'était un Kickstarter et donc là on arrive enfin au bout de, de, de l'attente pour les personnes qui, qui connaissent depuis plusieurs années. Maintenant du coup, enfin plusieurs années, ça fait pas si longtemps mais en tout cas depuis un moment. Et donc le jeu voilà qui va sortir, euh, qui va sortir sous peu. Le... En ce moment ils sont en train de travailler, je crois, sur des cosmétiques. Si je me trompe pas. Et euh, voilà. Et c'est aussi ce système de... qui m'a rendu dingue, ce système de bouffe. Il faut mélanger les choses pour réussir à faire un bon plat, pour qu'il soit bien nourri. <laughs> C'était très dur. <laughs> J'ai pas pu tester le ragoût, d'accord. Ça m'a beaucoup perturbé. Oh. Et sachez que le prologue, une fois qu'il est terminé, peut-être d'ailleurs vous pouvez quand même le jouer. C'est-à-dire que vous allez sur la quête, il vous dit prologue terminé, après tu fais un petit retour. Ton prologue est terminé, t'as plus de quêtes, mais par contre tu peux continuer à jouer, explorer et euh, faire ta maison. Tu en... Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez un avis Est-ce que vous voulez en parler J'aime beaucoup ce jeu. <laughs> euh... Ouais, alors moi c'est pas tant sur le jeu que sur le trailer, je le trouve très bien fait. <laughs> Parce que j'étais là en mode <laughs> Oh ok, un jeu de gestion survie. Ok, très bien, on en a vu bien. Bon, la l'ADA est sympa, mais c'est cool. Non, non, bon, euh, du bois, de la pierre, de machin. Et là, pouf, en fait, tu peux créer ta carte. Déjà, première surprise, j'ai fait... Euh, quoi Pardon Ah, oh, bah ça a l'air trop cool et tout. Du coup, en fait, en fonction de ça, c'est euh, de la stratégie aussi. Parce que selon ce que tu as besoin ou ce que tu peux imaginer d'avoir besoin, il faut les mettre au bon endroit, machin, dans le bon ordre, machin. Et j'étais déjà conquise. Je me suis dit, déjà, ça, c'est un petit truc en plus. Euh, let's go. Et là, pouf des zombies, <laughs> des donjons, des quêtes, des relations avec des personnages. J'ai fait pardon. mais <laughs> bon, en fait oui, <laughs> ça a l'air ça a l'air très très cool. Il a réussi à me surprendre deux fois en l'espace de même pas trois minutes. Je sais plus combien. Euh, 2030. 2030. Euh, donc euh, juste pour ça, euh, chapeau sur le trailer déjà. Et après euh, je suis très curieuse très curieuse euh, du jeu. Sinemoun, est-ce que tu as un petit avis euh... Non, j'ai été surprise par l'apparition des, des, des zombies aussi. J'ai l'impression que c'est plus des squelettes. Oui. Euh... J'étais là, ok, d'accord, d'accord. Il y a des, des, des zombies et des squelettes. Euh, squelettes, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand ils ont montré un squelette en gros plan, j'étais là genre ah, il manque un peu de charisme par rapport au reste. Mais je disais vraiment les 0,1% parce que tout le reste, je trouve ça très très léché. En fait, il manquait de charisme parce que tout le reste est très léché, je trouve. Très beau. Très assorti, on sent que. Ah, par contre, la musique dans le trailer qui fait Hé hey", Comme ça, de temps en temps, j'avais envie de faire Hé hey", Après. Bref. En plus, sérieusement, ça a l'air vraiment, euh, vraiment bien pensé, autant pour les mécaniques de gameplay que bah, ce que disait là-haut, par exemple, aussi le, le côté euh, pouvoir construire sa carte, etc. Il euh, y a un côté très jeu de société, j'ai l'impression, mais euh, croisé avec comme. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est fait pour plaire à des fans de jeux de société comme à des fans de jeux vidéo. Et comme à des fans déjà de plusieurs gens, enfin, c'est l'impression que c'est un pari risqué, mais en tout cas qui donne l'impression qu'ils ont réussi. Je sais pas comment dire. Je sais pas après commencer au niveau. Moi, c'est ce que je parle de ce que m'évoque le trailer. Mais euh, clairement, ça a l'air d'être un truc bien maîtrisé, euh, fond forme, euh, euh, et en même temps qui euh, peut attirer plein de gens différents. Donc, euh, si tu dis qu'en plus toi, pour le monde de ce que tu en as testé, c'est très bien. Euh, clairement, euh, bah, au moins, ils mentent pas sur sur ce qu'ils vendent, quoi. C'est très cool. Ah, ça. Moi, le seul que je regrette, c'est le gros regret, c'est que c'est un jeu solo. Mais peut-être qu'un jour euh, ils font une version, on sait pas, on sait pas. Il <laughs> y a moyen, il y a moyen. On en a parlé avec Pandra, on s'est dit euh, ouais, euh, ok, pour faire ça, un système de vote, euh, pour faire ça. Enfin, bon, pour moi, ça passe. Un, un multi peut-être. Mais pour l'instant, euh, ils se concentrent sur euh, le jeu et la sortie complète de leur d'abord. Peut-être qu'un jour, on a de l'espoir. Et voilà. Merci beaucoup pour les euh, Seb, euh, Abigor! Et salut Tumnus, comment vas-tu? Okay. Coucou Abigor, coucou Tumnus! Ah, ah, Abigor, ouais, mais... <laughs> Abigor qu'est-ce qui lui arrive là? Il a craqué le petit bon Pour Alex, Stone et pour Ezor! Oui! J'ai vu que dans le chat il avait beaucoup plu, j'adore quand... quand ce que je vous propose vous plaît! Il <laughs> ouais, y en a quoi as épais, euh... et t'as hypé? Et coucou Tumnus! Mais Abigor! <laughs> merci, alors pour une raison que j'ignore il n'y a pas de son sur mon alerte peut-être qu'il y en a mais je ne l'entends juste pas <laughs> parce que je suis gay. merci beaucoup doucement Gabigor il oui. est pas réveillé là il, il dit mais non c'est bon je suis en train de rêver encore c'est bon je peux utiliser ma carte bleue mais oui mais... <laughs> dit, oui le petit chien du carité twitch c'est un petit super héros et il faut savoir que du coup ce jeu m'a été conseillé et suggéré par Pandra. Et quand il va parler de ça, oh ça a l'air cool. Je regarde et là, je fais, Oh ça a l'air très cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez des jeux à me suggérer, euh, je prends. Je rarement faire plus fort que Pandra, mais... <laughs> je rigole. Oh là 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 Non, non, mais vraiment... Euh, voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, il travaille fort sur, euh, sur l'amélioration euh, aussi au niveau de... La compression des fichiers, c'est ce qu'il vient de nous dire Pandra. Du coup, euh, que le jeu soit moins, moins lourd. Lumineux. Voilà. On ne se retrouve pas avec Arc. Bis. Bis. <laughs> ce serait très triste. Um... Force Pokémon. Alors ouais, du coup, moi, je parle pas trop trop des gros gros jeux. <laughs> Généralement, je parle des petits. <laughs> Mais euh, je connais rien. Euh, du coup, les part... gros jeux en général nous on est là en mode simp, en mode genre, oh soldats, <laughs> et puis machin et puis truc. Voilà. Mmh. Pardon Lulu. Pas de soucis. Pourquoi j'aime les gros jeux Et moi je les aime pas. Non je rigole. <laughs> C'est juste euh, je présente des petits jeux parce que les gros jeux ils n'ont pas besoin d'être présentés. Enfin si tous les jours je vous parle tous les brunchs je vous parlais que de gros jeux qui vont sortir dont vous avez déjà entendu 1000 reviews. Je ne vous fais rien découvrir. Mais mal aimé. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien l'aspect Lulu. spelulu jeu indé et tout. Je trouve ça cool. Quoi Mais merci, Amigor. Mais non Mais pas maintenant C'est compliqué à chaque fois, Amigor. Merci. Pour les 10 subs offerts à Fifusan, à AdiWave, à Benzébul, Bubul il y a cette personne <laughs> à Thiderot Arthur Arthur à Thibaut Brock, à Renzuela à Jelly à Baza à Bazara et à Nile à ah, garde tes sous pour le carré si on va parler du jeu suivant parce que sinon il va jamais s'arrêter merci beaucoup merci c'est suis... Bigor, mais on se calme on se calme Oh ça j'ai envie de faire un gros câlin qui t'étouffe elle me fait flipper là. Je vais maintenant vous parler de Mail Time et je vais vous passer le trailer avant de vous en parler parce qu'il est incroyable, ok Est-ce que c'est parti Est-ce que vous êtes prêts Let's go Alors, euh, je, je, je vais vraiment dire vite fait juste sur ce que tu m'as dit. Donc, Gros of the Evertree qui est sorti il y a deux ans et euh, qui est absolument incroyable. On en a fait la promotion euh, dans les premiers, euh, les premiers brunch déjà. Et très très cool, n'hésitez pas. Alors, time... d'ailleurs. Oh non, 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 moi je l'ai sur Switch et sur PC. <laughs> et j'ai dû faire gagner trois clés de ville début. Donc, Mail Time, c'est un jeu de plateforme exploration en monde ouvert. Vous n'aviez jamais, jamais rêvé de devenir le facteur des animaux de la forêt Non, bah maintenant, c'est quand même possible et vous allez pas avoir le choix. Ce que vous allez voir, c'est trop bien. <laughs> tu découvres d'adorables ad euh, personnages colorés et livres l'heure du courrier. Ça, c'est trop bien. Tu, tu dois aussi trouver les petites têtes cachées il y en a partie par là. Il y a plein de, de, de petites scénettes. Et, euh, et je trouve ça trop bien parce qu'il y a des sonnettes de partout en fait, et dans la forêt, tu te promènes et d'un coup paf Un pique-nique C'est trop bien. Donc Mail Thème, euh, ça a d'abord été une campagne Kickstarter. Euh, et maintenant, ça y est, on arrive au bout de, de la tente pour les personnes qui connaissent depuis tout ce temps. Qui donc il sortira le 27, donc jeudi prochain. Il est traduit dans de nombreuses langues, dont le français, et ça c'est très cool. Le prix n'est pas affiché. Je dirais qu'il est aux alentours d'une vingtaine d'euros, mais le prix n'est pas encore affiché, c'est dommage. Il faut savoir une chose qui est trop bien. J'étais choquée quand je l'ai découvert. Il n'y a qu'une seule personne qui travaille sur ce projet. C'est une développeuse. Elle est trop mignonne. J'ai vu sa petite tête sur son Twitter. J'ai trop oh. Et la démo est déjà disponible. Oui, 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 oui. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur le, ouais. sur le jeu Je pense qu'on a haussé les sourcils toutes les deux déjà. Euh, ouais. encore, encore une petite euh, one-person. Euh... One man army là. Enfin, one woman army en l'occurrence en, en plus. Oui. Euh, moi ça, ça m'évoque la mode du cottagecore qu'il y a en ce moment. Euh, Je sais pas si vous voyez ce que c'est le cottagecore. Vraiment là, pour les gens qui ne sauraient pas vraiment le côté... Euh... Euh, esthétique, genre euh, vivre comme un hobbit ou comme des petites fées champignons, euh, <laughs> avec genre le, euh, vraiment le, les décors euh, un peu euh, à l'ancienne, mais au milieu de la campagne et compagnie. C'est super mignon. c'est voilà Et euh, là, vraiment, c'est un jeu, vraiment, je fais ça, je fais putain, un, ça c'est un jeu qui, euh, qui, je pense, va marcher auprès des, des fans du cottagecore, clairement. Et, euh, et ouais, c'est super mignon. Le, le punk, la loiseau punk, il me fait trop rire. Euh, rien que ça dégaine au milieu enfin il a l'air d'avoir de, de l'originalité aussi au milieu des trucs euh, très euh... enfin vraiment il a l'air euh, hyper cute quoi. C'est un super pipou voilà. C'est le seul truc qui euh, le seul truc que j'ai pas compris c'est pourquoi à la fin du, du trailer qui est super cool genre sur la fin il faut un plan fixe où il se passe rien avant de mettre le titre en mode genre. Mais non mais vous venez de montrer plein de trucs super cool la faites nous part tomber la sauce. Mais ça c'est plus un problème de montage que de jeu hein. Donc... Non, il faut un travelling arrière. Ouais, c'était... Non, non, mais c'est vraiment parce qu'il fallait un truc à critiquer, sinon je le trouve vraiment ultra mignon donc, euh, <laughs> Voilà. Non, mais regardez-moi la petite abeille, comme tu dirais, Luna en envie de lui tirer les joues, là. Oui, Tire les joues. Oh, oui, ça, tout a l'air si fluffy dans ce jeu. J'adore euh, cette vibe-là des, euh, des jeux vidéo où il dessins je... ça me fait penser... Alors, c'est la même chose dans euh, Borderland, où les traits sont très marqués, etc. Et là, c'est appliqué ah, à un, truc un petit tout pouf? fluffy. Aussi un peu moins Pipou Borderlands, on est d'accord, mais c'est cette esthétique-là. Euh, dessin 3D, que j'adore. Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que, que j'ai pas trop bien compris, par contre, le gameplay. Ok. Euh, à travers le, le, trai le trailer. Euh, mais je me dis que dans tout, tous les cas, tu peux tu peux chiller chill au max dans un monde comme ça. C'est-à-dire que peut-être que l'intérêt c'est pas tant le gameplay euh, qui va être innovant, machin, etc., que plus la découverte de l'univers qui va être euh, hyper euh, rewardant, reposante, euh, un petit côté magique et tout. Euh, voilà, moi c'est ça que ça m'évoque et euh, j'ai bien envie d'y jouer. <laughs> Alors au niveau du gameplay, moi ce que j'en ai compris c'est vraiment ce côté quête de euh, tu livres vraiment le courrier. Mais je pense que vraiment il y a, y, y a tout ce qu'il y a autour qui compte tellement fort et aujourd'hui on entend parler beaucoup de champignons hein. entre les méchants et les gentils champignons euh... écoutez moi j'ai essayé on de est... discriminer <laughs> personne on n'en vend pas on n'en vend pas si vous cherchez euh, si vous cherchez à acheter des champignons on n'en vend pas euh, à la paix et c'est pas comme le gars qui avait débarqué sur notre discord en disant direct qu'il vendait de la drogue et des champignons et compagnie euh, non on fait, on fait pas ça on non. veut pas d'embrouille fait euh, c'est la porte à côté c'est le, le stream à côté ça pour acheter des champignons voilà Fin de fin de, 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 de... disclaimer, disclaimer <laughs> voilà. non mais voilà c'est à dire qu'on avait les méchants champignons je pouvais pas rester sur non mais on peut pas avoir des méchants bon j'ai pas trouvé des gentils zombies pour contrebalancer le dog snake mais euh, j'ai trouvé des gentils champignons <laughs> et voilà je, je, je... je suis amoureuse de ce jeu et moi j'ai envie de dire que le banquier il se fâche à la fin de champignons moi <laughs> On va passer au jeu suivant. Est-ce que dans le chat, en vrai, dans le chat, euh, il est relativement. Oh, J'aime je... bien quand vous avez kiffé des trucs que je fais. Ah bah <laughs> Tumnus tout risque d'aspirer son âme, hein. donc euh, en fait euh, ça, ça peut flatter ton ego, mais tu, tu vas pouvoir culpabiliser parce que là du coup tu as l'âme de Tumnus qui va être aspirée peut-être par ce jeu. C'est grave. Prends so... Je prends vraiment soin des âmes qui sont aspirées à cause de moi. <rire> <rire> je les mets dans un petit bocal. <laughs> je les stocke. <laughs> Et quoi, elles si en besoin, je leur rends. gentil. Entre-temps, ils ont droit... Dans leur petit vocal, ils ont droit à, à, bocaux, ont droit à euh, des smoothies gratis, des massages gratis. C'est bon. C'est bon, aspire <laughs> mon âme, euh, Luna. Tout va bien. Let's go. <laughs> euh, ok. Euh, on va passer au jeu suivant. Alors, le jeu suivant. Il s'agit de euh, Woodland Hike. Alors, je vais vous passer le trailer, il n'est pas très long, et après je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous allez avoir besoin peut-être de d'explications, peut-être pas. En tout cas, je vais vous expliquer. J'adore expliquer les choses. Euh, let's go. pour vous expliquer parce que je pense que les explications sont nécessaires je pense que c'était encore jamais arrivé que je vous propose un jeu juste de contemplation mais c'est ce qu'on a à l'heure actuelle donc je vous propose de découvrir woodland hike qui est un jeu de contemplation de promenade contemplative euh, concrètement le jeu c'est de la balade, de la simulation de marche avec euh, des graphismes que je trouve à tomber par terre, mais après, chacun ses goûts, forcément. Mais c'est pas un jeu, comme je vous en propose généralement, pour son gameplay, pour... Euh, avec une globalité euh, très intéressante. Cependant, je trouve ça intéressant de vous en parler parce que, d'abord, c'est un jeu qui est à petit prix, puisque c'est un jeu à moins de 2 euros. C'est un jeu qui a été créé par une seule et unique personne, et qui a fait énormément d'autres jeux de type contemplatif, euh, donc, c'est vraiment euh, son domaine à lui. Et que je l'ai quand même trouvé excessivement pire. <laughs> voilà. Euh, J'ai pas énormément de choses à en dire euh, de plus. Euh, voilà. C'est vraiment le, le petit bonus euh, contemplation. <laughs> donc, voilà. Si on aime faire de la randonnée. <laughs> si on aime se promener dans un monde où c'est tout beau, mais voilà c'est juste il y a des petits trucs à trouver il y a des petites quêtes mais c'est pas loin oui, et... voilà comme n'importe quel jeu contemplatif il a l'air euh, très sympa moi j'aime bien le faire de temps en temps surtout, euh... <coughs> surtout dans les périodes où trop de stress ça oui. permet de ça permet de décompresser et euh, il, peut fait, euh, il peut tout à fait tomber à ce moment là et euh, je pourrais y jouer Qui euh... moi je suis pas cliente sur celui-ci. Euh, parce que j'aime bien les côtés qu'il peut y avoir contemplatifs dans certains jeux. Mais euh, euh, là, j'ai pas spécialement envie, moi, mes... C'est pas spécialement mes goûts. Enfin, pour moi, la DA, me, je, je la trouve sympa, mais euh, je vais... Je peu plus limite un jeu de shoot dans cette DA, je sais pas pourquoi. <laughs> euh, C'est pas... Enfin, je... Moi non. Je... Peut-être trop trop rouge, trop de... Trop... Enfin, ce n'est pas mes couleurs pour me... Pour me Okay. Pas, en fait, pas mon, ça ne correspond pas à mon mood dont j'ai besoin pour, euh, pour euh, déconnecter le, le cerveau. Je ne sais pas comment dire. Enfin, ça, 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 en vrai, ce n'est pas moche, hein, mais euh, c'est juste... Euh, j'ai l'impression d'être en train de foutre un râteau à quelqu'un, c'est très, très bizarre. Genre, not my type, <laughs> pardon. Euh, okay. Non, non, mais je, voilà. voilà alors alors du coup, peut-être que d'autres de ces jeux contemplatifs pourraient te plaire, étant donné que ce n'est qu'un parmi 18. Ah et à un moment donné, il fallait pas. faire un choix euh, sur. Euh, moi, j'ai pris ce qui me plaisait le plus, les, joueurs, les couleurs qui pètent le feu et <laughs> très rouge et rosé. Mais euh, forcément, il y a, a d'autres styles qui existent dans le Ça ne peut pas toujours plaire. Non, non, bah oui, oui, oui. Et <laughs> je comprends que. Non, mais je comprends que. Je comprends que ça plaise. Il hein, n'y a pas de pas de problème là-dessus. Il hein. euh, y a des moments, où j'ai des goûts de merde, hein, disons-le clairement. Donc euh, voilà. <laughs> C'est terrible de dire ça. Oh, J'assume, hein. c'est pas grave. Hein. Écoute. Euh... Donc voilà. Bah écoutez, euh, dans le chat, euh, voilà, voilà, je... sur celui-ci, je me mouille pas trop. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, je l'ai trouvé tout de que j'en parle. Voilà. Donc on va pas rester très très longtemps dessus. On va passer à Pogling. Pogling, est-ce que vous êtes pris Pogling. Euh, moi, j'ai trouvé ça. Un univers de jeux de mots à faire là. Alors, après, let's go pour. Euh, alors peut-être que je ne mettrai pas le trailer en entier, il est 2-3 minutes 30 parce qu'il n'y a pas plus court. Let's go. Okay. <laughs> Alors, je vais vous couper ici parce qu'il faut, il faut une fin à tout. Sachez que, donc, il est loin d'être terminé. Je vous coupe là parce que c'est la partie euh, petit jeu. Euh, mais je, je voulais absolument vous laisser le côté contemplatif, le côté, le côté de, de, de la map qui était juste avant. Il y a d'autres. Euh, Attendez, qu'est-ce qu'on peut Oui. Qu'est-ce peut... ouais, qu que je fais Alors, on va peut-être. Ça très beau de nuit aussi. Ouais, je vais vous laisser sans le son, je pense. Euh, terminé. Alors, Pogling. Il est trop tout Alors, Pogling. <laughs> Pogling, il faut savoir que c'est un jeu de simulation d'élevage de petites créatures. Donc, tu élèves tes petits Pogling, tu découvres l'île et. Euh, hop là. Et. Euh... <coughs> Je vais y arriver. Tu découvres donc euh, l'île. Tu... et tu rencontres les habitants aussi par contre Pogling à l'heure actuelle il est en Kickstarter il est toujours en Kickstarter euh, et euh, la, la sortie alors c'est un peu le hic quand tu proposes un Kickstarter c'est que la sortie elle n'est pas pour tout de suite alors qu'il est absolument trop elle est prévue pour dans un an et les informations du jeu forcément sont un peu moins nombreuses pour un, que, qu un jeu qui va sortir dans quelques jours donc tu dois pêcher, capturer des insectes, nourrir, euh, cuisiner, nourrir tes créatures pour les faire évoluer. Le le un petit truc que j'ai trouvé très sympathique c'est le nombre le nombre de mélanges de créatures que tu peux faire. Tu as jusqu'à 400 poglings oh. différents. Donc vous avez vu qu'il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas, il y en a qui brillent rose, il y en a qui brillent bleu, il y en a qui brillent paillettes. Bref, incroyable. Et euh, fortement, leur campagne Kickstarter, elle a euh, hop, cartonné beaucoup. <laughs> voilà, c'est une euh, euh, façon gentille de dire qu'en 50 minutes, ils avaient rempli leur leur euh, leur campagne. <laughs> et qu'ils l'ont beaucoup, 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 beaucoup dépassé, Puisqu'ils demandaient 36 oh, euros cool. et ils sont à 250 <laughs> 200 ah, 000. Ah oui! Et que c'est pas terminé, il reste encore 18 jours avant la fin. <laughs> voilà, voilà. Euh, donc n'hésitez pas si vous voulez, si ça vous tente euh, pour 22 euros, 22 dollars, plutôt, vous avez accès à, au palier euh, qui vous donne accès au jeu. Mais voilà, il va falloir attendre 2024. C'est loin, hein, 2024. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et, euh, et ça m'a fait beaucoup penser à quand je vous ai parlé euh, euh, des les Pokémon Like. Mais en quand même un petit peu moins Pokémon. Parce que quand même, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà. Je l'ai trouvé très mignon. Il peut bailler quand il mange, là. Moi voilà. aussi, je peux bailler quand je mange. Et tout le monde trouve ça dégueu. Donc <laughs> mais euh... pas aussi mignon parce que c'est plus mignon. Ouais, plus voilà. Euh... Quand c'est un <laughs> donc, petit dinosaure voilà. en verre, là, on préfère. Ok, non. Mais... Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai euh... hâte d'avoir vos retours. Bon, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a à peu près euh, presque tous les membres de la paix sur le truc. <laughs> oui? <laughs> sur, un truc, oui. sur, euh, sur la fiche. Oui, mais, non, mais en dehors de parce ça, on en a un. Euh, attends, je vais l'agrandir. La je un... un... tu suis qu'il bout devant le palmier alors. Il mange, mange une fraise. <laughs> ah bah, si il bouffe une fraise. Ah oui, bout pas pas il mange une fraise, c'est tellement moi. <laughs> non, oui, bah voilà. Donc il y a oh, tous les bah, voilà. de la paix sur ce truc-là, donc on ne peut que kiffer. On sera obligé de jouer sur la chaîne de la paix. oui et, et, et sinon, euh, euh, le seul truc qui m'a un peu... Euh, c'est la manière dont il mangent les, les papillons. <laughs> ça va ça un peu trop mal j'étais là. Ouais, il les mange vivants. <laughs> mais il les déguste en croquant dedans, c'est horrible. Mais... mais en effet, il y a plein de, plein de petits petits jeux à côté. J'aime bien le la, <laughs> la commentaire de Psycrane. Vous voulez quel genre de jeu oui, <laughs> c'est vrai, il y a un petit peu -à -dire que y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la simulation, il y a de la gestion, il y a de l'élevage, l'élevage de, euh, de potipoglings, euh, du commerce, enfin, tu, tu fais des mini-jeux avec, d'ailleurs j'ai pas compris, je me demande si c'est des mini-jeux avec toi-même ou avec d'autres personnes, tu sais un peu comme euh, à un moment avec Pokémon, tu pouvais euh, affronter avec... Euh, ton câble <laughs> Excusez-moi. Je ah suis ouais. une enfant des années 90, d'accord <laughs> ouais, On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Lisez exactement ça. Donc tu allais défier tes copains, machin, etc. Alors je sais que maintenant il existe d'autres technologies, ne vous inquiétez pas. Mais moi ça, ça a fait écho à cette époque-là. Et j'avoue que si tu peux défier des copains en ligne comme ça avec ton Poglings, je trouve ça assez cool. Voilà. À ce niveau-là, ils n'ont ils pas du tout parlé. Euh... De multijoueur, j'ai peut-être pas bien cherché. Mais ils en ont pas du tout parlé, donc. ils sortent dans un an, ils sont peut-être même en. En réflexion, en truc, machin, ouais. Et peut-être avec le dépassement, ça va être un truc ou pas. Mais toujours est-il que ils sont trop mignons, l'époque Oui. C'est bon, je peux casser vos rêves. Non, je peux. Vas-y, casse nos rêves. Je plaisante, non, non, mais non, le. Le premier, le premier truc que je voulais dire, c'est que bah, si moi j'ai envie d'aller me balader dans un jeu pour me détendre, je vais plus aller me balader là-dedans, même si ce n'est pas prévu pour être juste un truc contemplatif. Euh, clairement, les paysages que j'ai vus, moi, je, je me verrais bien me poser dedans juste déjà pour détendre euh, un coup. Quoi. Les Pollings sont très choux. Après, euh, le fait qu'ils aient quasiment tous les mêmes yeux, quand on montrait les, les poglings à la suite, j'étais en mode genre, ah j'espère qu'ils mettront un peu plus d'yeux différents. Mais ils sont vraiment très mignons. Euh, par contre, je suis désolée, le personnage principal, il faut faire quelque chose. quoi. Enfin... Euh, il, il, a, il a à peu près autant de charisme, charisme qu'une huître. Pourquoi t'as un, une chemisette t'as un nœud papillon, gars T'es sur une île paradisiaque avec des petits dragons. Tu t'habilles avec une chemisette, avec un nœud papillon. Je suis désolée, ça va pas, c'est pas pratique. No, no close shaming, ok <laughs> Ouais, ben bah, désolé, moi j'aime bien sa petite dent de dehors. Je trouve que ça ça lui, ça, ça lui donne une petite touche originale et sympa. Euh, par contre, sinon, il a l'air un peu derp, effectivement, et random, mais euh, la petite dent, j'aime bien. J'aime bien sa petite dent. Et euh, par contre, sinon, l'animation euh, m'a un peu fait froncer les sourcils parce que je trouve que ces animations à lui sont un petit peu. Euh, voilà. Par contre, et au pogling au aussi, mais comme le jeu est pas fini, moi je pensais que c'était une bande-annonce de jeu qui sortait, et en fait, si le jeu est pas fini, ok. Euh, et en plus, le marchand, par contre, je trouve que le marchand avait l'air d'avoir grave la classe et que enfin, je sais pas qu'il y avait un univers qui euh, je me suis dit ah c'est prometteur je me suis dit tiens si la NPC ont, ont un peu toute la classe comme ce gars-là euh, je pense qu'il y a moyen qu'il y a un bon univers un peu barré et en tout cas c'est très mignon c'est très doux euh, ça, ça donne envie d'aller se poser en mode wholesome tout ça voilà je, clairement il est il a l'air très très cool et la musique la musique elle est trop bien il faut cette musique là pour se réveiller le matin elle, elle est trop mimi voilà c'est tout ce que j'avais à dire au fond de mon PMU <laughs> Moi je pense qu'il n'a pas besoin d'être Kiki, le personnage principal, parce qu'il y a déjà les poggings. Je pense que le contraste est fait peut-être pour. Hein. Ouais, parce qu'on qu peut pas va mettre l'accent sur, sur les. C'est préhistorique un peu. Sur, euh... Ouais. Enfin, c'est préhistorique mais Avec une, une montre et un, un opaque. <laughs> Écoute, euh, la préhistoire, c'est comme. Euh... C'est comme euh, l'or qui euh, fait de l'électricité euh, dans les pyramides, ok Non, mais <laughs> je pense qu'on s'attache à ce petit gars-là. Plus je le vois en fond, plus je suis en mode ouais, ça va. Alors moi, je me bon, suis attachée en une semaine de recherche. Ouais, et euh... <laughs> non, je comprends, je comprends, je comprends. Là, avec sa petite dent là qui dépasse là, on a envie de lui faire pas de patte sur la tête, ouais. forcément. Et par rapport ouais. à leurs yeux, c'est vrai qu'ils on... ont tous les mêmes yeux. Je pense que comme il y en a quatre il doit y avoir du, du choix. Ouais, ouais, non, non, mais oui. oui j j pense. ouais hystérique merci ce sont des coudins, okay, des cousins de eux les ils se et ben du coup on va passer au jeu suivant alors qui n'est pas tout à fait un jeu euh, hashtag je triche vous êtes prêts attendez parce que j'ai perdu mon moment. voilà alors je vais vous parler de teen pet mais on va en parler alors Attendez. <laughs> attendez parce que c'est un peu plus compliqué que ce à quoi vous vous attendez je vous montre le petit trailer et euh, attendez parce que du coup il n'est pas très très bien cadré parce que je savais que ce serait un problème ce cadrage d'accord mais je l'ai fait quand même bon, parce que on est sur pets. les pets. petits pets les petits pets d'habicorps ah, parce qu'on est, qu on est sur, euh, on est sur, euh, sur euh, un format qui n'a pas de d'autres que Kickstarter, donc forcément c'était compliqué. Je vous montre le petit la petite vidéo de 35 30, 30 secondes et, je, et on en va. Alors, attendez, hop. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait en parler Parce que ce n'est pas tout à fait un jeu. Alors, Tiny Pet, c'est une application mobile aux aires de jeux vidéo. Le concept est simple, tu développes tes animaux virtuels et tu, les dé tu en débloques de nouvelles et de nouvelles capacités en marchant dans la vraie vie. Donc là, tout ce que vous voyez qui, qui up le personnage, il faut gagner des pièces en marchant dans ta ville, partout, avec ton téléphone. Et euh, du coup, tes efforts sont récompensés par euh, des nouveaux petits mignons, tout petits mignons, pets qui arrivent et que tu peux débloquer. Un système de guet chaque moi je trouve ça très cool, sachant qu'il n'y a pas... Je ne sais pas euh, encore comment fonctionne. Forcément, euh, c'est une application mobile. Je ne sais pas comment fonctionnent euh, les achats dans l'application, puisque ce n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, à ce côté, euh, je marche, donc je gagne des pièces, donc je fais un truc au hasard. Et du coup, j'ai un nouveau, un nouveau Tinypet. C'est peut-être que j'aurai un super rare. <laughs> Donc, en plus du design adorable, forcément, il suffit de fonctionner, de fonctionner. Il suffit de marcher pour collecter ses petits pets. Et la campagne Kickstarter vient de terminer à l'instant, et euh, l'application sera sortie en août. Voilà, voilà. Je voulais absolument en parler parce que ça change. J'avais encore jamais présenté d'application mobile. Enfin, euh, certaines étaient cross comme Puffballs, mais voilà, j'avais pas parlé d'application mobile. Celle-ci est très cool parce que euh, parce qu'il faut marcher et en plus c'est très pipou. Voilà, donc euh, et c'est un Kickstarter. Faut Soutenir un peu quand on trouve des bons projets. Moi, je voulais absolument vous en parler. Voilà, est-ce que vous avez un avis Regardez comme c'est pipou J'ai <laughs> pas vu de raton laveur, donc moi j'y jouerai quand il y aura un raton laveur. ok y de, a deux, y en avoir <laughs> Je charrie, je charrie. <laughs> Non, c'est vraiment très mime, c'est plus le côté. Euh, euh, Vas-y, marcher pour avoir des animaux pipou. Enfin, c'est une bonne idée. c'est je, je, ouais, je, Clairement, je, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, après, euh, moi personnellement, est-ce que ça va me motiver à aller marcher Je sais pas, mais je trouve l'idée très cool. Et en plus, euh, si c'est euh, moins euh, gourmand en batterie que par exemple euh, ce que peut être, euh, en tout cas ce que pouvait être à l'époque Pokémon Go, euh, bah, c'est moins sur le côté compter comme on marche, mais vous voyez ce côté où vous vous baladez dans votre ville aussi, euh, ça peut être très sympa justement. Parce que là, si c'est un jeu qui est vraiment prévu pour justement te faire marcher, etc. Et que c'est moins gourmand euh, sur la batterie de téléphone, parce que ça peut être toujours un peu le souci hein, quand tu utilises une appli euh, pendant très longtemps. Euh, je pense que c'est pensé pour là. Et euh, vraiment, euh, ça doit être très très cool comme compagnon euh, de route, entre guillemets. Enfin, je trouve l'idée très cool et c'est vrai que c'est effectivement très très pipou. Donc, euh, s'il vous plaît, ajoutez un raton laveur. Voilà. Bon. Il y en a peut-être un J'avoue, je ne l'ai pas vu, mais peut-être. Euh, moi, de mon côté, bon déjà, le, les, enfin le graphisme, c'est ma cam. Je, je, trouve ça, je trouve ça beaucoup trop mignon. Euh, J'ai juste peur avec ce genre de, de jeu euh, qui est trop de blocage de, en mode bah, si tu marches. Et je sais que c'est le, le fond du jeu, mais si tu ne marches pas, tu ne peux rien faire. Et je trouve que ça les problèmes. Donc, à voir comment ils le développent, comment ils le mettent en place, euh, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que débloque euh, la marche, etc. Parce que euh, je trouve que ça très vite peut avoir un côté culpabilisant. Mm. Surtout que c'est les gens qui font ça, c'est aussi pour se motiver à marcher, etc. Et donc euh, le fond, je sais, euh, sais qu'il y a souvent une très, très, un très bon fond, une très, des bonnes intentions. Euh, et des fois, la mise en pratique peut en fait faire un peu plus de mal. Euh... Parce que par exemple, si tu ne marches pas et que tes animaux meurent, c'est nul. Ouais. Enfin, vous mmh, voyez ouais. ce que je veux dire Entièrement d'accord, oui. <coughs> et, et voilà. puis le, la monnaie si la monnaie c'est bah, si tu marches pas tu peux payer pour avoir tes trucs ça peut être un peu enfin encore pire parce que donc, du coup si tu dis ah non j'ai pas marché mais j'ai quand même d'avoir des animaux du coup je vais payer Mais du coup tu deviens plus pauvre et tu marches pas c'est triste tu vois J'avoue, oh, si tu ne marches pas. pas et que tes animaux, ils, ils, du coup, ils deviennent tristes et ils ont un problème oh de santé mentale parce que, du coup, tu ne les sors pas comme un vrai Arrête. animal, par exemple. Mais, bah, mais voilà, moi mais je ne sais <laughs> pas moi, le jeu. Là. Je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas. Ah, oui. Bah, oui, parce que, du coup, il est en Kickstarter. Je dis juste que c'est des choses où les gens se disent Eh, c'est une trop bonne idée de jouer sur la cubabilité parce que les gens, du coup, ils vont se bouger les fesses. En fait, non, ce n'est pas une super bonne idée, d'accord Ne faites pas ça. Mais. Euh, si s'il n'y a pas ce genre de choses, etc. Euh, c'est le genre d'application, je me dis. Euh, ouais, ça me donnera une, une petite motivation en plus, euh, sans trop de culpabilité pour aller marcher. Voilà, donc ça, ça, ça dépend de l'équilibre. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, euh... malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. <laughs> non, c'est mais mais pour, pour ça que j'ai euh... suivi. J'ai suivi sur Kickstarter parce que, comme je te dis, le jeu me plaît beaucoup. Et je me dis, bah tu peux pas avoir les réponses avant les développeurs, en fait. <laughs> donc, euh, donc j'ai suivi. C'est Fran Dans le chat, ouais. c'est mitigé. Alors, Pokémon Go que like, je ne suis pas sûre. Parce que pour en parler, tu n'attrapes pas euh, de Pokémon non non mais euh, tu vois, ce que je voulais dire c'était oui, que tu, où tu marches et tu en même temps tu vas garder ton application ouverte. et donc il euh, y a des téléphones enfin tu vois selon les applications ça peut aussi si c'est mal foutu euh, euh, bah, surchauffer euh, utiliser ta batterie mm. tu vois ce que je veux dire parce que, que ça a l'air d'utiliser le GPS aussi avec le côté rue et quoi, voilà donc je sais je, je me demandais en fait voilà. c'est vrai c'est vrai moi, il faut savoir que c'est le genre de jeu. J'aime pas marcher. J'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui fait du sport. Et en plus, j'en ai rien à foutre de faire du sport. Donc, forcément, euh, ça vite. Je m'entraîne me, à, à rester assis sur ma chaise. <laughs> Mais euh, j'avoue que juste pour ça. Pour... En vrai, euh, c'est le genre d'application et de choses qui pourraient me faire marcher jusqu'à ce que je les ai tous. Donc, ils ont intérêt à sortir une saison 2, de une saison 3, une saison 4. Parce qu'une fois que je les ai tous, <laughs> je marcherai plus. Mais euh, ça peut. Ça peut. Parce qu'en plus, ça les trucs aléatoires où tu sais pas ce que tu vas avoir. J'adore. Forcément, donc quand euh, <laughs> je veux plus rare, même quand je me suis plus rare, tu pas aimer les tous. Ouais, j'adore ça. Donc ça pourrait me faire, ça, ça peut me faire marcher. Par contre, ça me fera pas marcher euh, s'il y en a plus à gagner, quoi. Les collectionner. Les collectionner pégues. <laughs> c'est ok. Ça. On va Mais si ça joue là-dessus, c'est ok, tu vois. Si ça, si ça joue là-dessus euh, pour pouvoir les avoir, les machins, c'est ok. Et je, je suis d'accord avec ce que dit euh, Alexis Stone, c'est. Euh... Ouais, c'est genre euh, t'es pas obligé de... Enfin, tu... T'es tu, pas obligé de lancer l'app pour que ça compte en, en gros tes pas, si jamais ton mmh. téléphone compte déjà T'es pas ou des choses comme ça. Ouais, avec le suivi, euh, Ouais, ce serait très cool. Ouais, mais ça va être un petit peu limité si c'est ça. Parce que là, on voyait quand même une carte et compagnie. Après, Il je sais pas, pas Il peut y avoir des gameplays des... différents. Ouais, en fonction des packs as... Oui, oui bien sûr, en fonction des packs que t'as fait, tu peux choisir où aller sur la carte et compagnie. Mais si c'est relié à une vraie carte, je veux dire. Si la carte, c'est genre vraiment en mode... Euh... Euh géolocalisé à ce moment-là ça n'a pas trop de sens en fait mais par hmm. contre oui si c'est une carte fictive ou en fonction du nombre de packs que as fait ça te déplace tu peux choisir où te déplacer après sur une carte ça ça peut être très rigolo parce que tu rentres chez toi et après as ton t'as ta euh, voilà ah ouais, tu peux tes... choisir où tirer etc. Ça, ça, ouais. vrai, ça serait trop bien non mais voilà, voilà. donc euh, je voulais absolument en parler et du coup j'en ai fait maintenant je vais vous parler euh, de camper van je vais vous montrer le petit trailer. Il n'est pas très très long. Je c'est tout au goût de le truc. Et on va en parler juste après. Let's go l'heure très court <laughs> parce que parce que vous n'êtes pas prêts je vous fais du mal j'espère que vous avez kiffé le jeu est en kickstarter à l'heure actuelle il est en kickstarter pendant encore une dizaine de jours c'est que du rangement alors Camper Van c'est un cozy game à base de développement personnel et de satisfaction <laughs> et tu te balades avec ton dans ton van avec ton van dans différents lieux en découvrant donc euh, bah, les lieux <laughs> et l'histoire de ton personnage, parce qu'il y a une petite histoire quand même, et pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce qu'il est parti en van au lieu de rester dans son bureau à travailler d'arrache-pied, comme un, un bon fonctionnaire ou un bon salarié euh, euh, moyen. <laughs> donc le jeu euh, promet euh, des, des remises en question, des questions déjà, c'est pas mal. <laughs> Euh, donc, tu dois décorer et découvrir tous les secrets cachés dans ton van parce qu'il y a plein de choses. parce sais si vous avez vu mon ouvrir plein de portes et tout, c'est trop bien. Forcément, euh, ils ont leur inspiration qui sont bien précisées sur Kickstarter. Il y a euh, bah, Alors, ils ont une inspiration, unpacking, ils ont une inspiration, Assemble Whisker, euh, ils ont des inspirations de ce type. Donc tu dois ranger les éléments, interagir avec tout ce qui t'entoure. Et le jeu est donc actuellement en Kickstarter et la sortie est prévue pour décembre 2024. C'est long, c'est très très long. Mais il a l'air très très cool. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... Voilà. Euh, déjà, moi, le rangement, ça me parle. <laughs> Oh, le petit chien Mathieu à la fin il a l'air euh, très pipou euh, on parlait de tout à l'heure d'exploration de, euh, zen machin etc euh, là on est totalement dedans puis en plus euh, ça fait quelques années mais, euh, que la, la folie van life euh, prend tout le monde et euh, il était temps que ça arrive en jeu vidéo pour ceux qui ont envie de vivre la van life sans la van life <laughs> <laughs> de, de pouvoir gérer. Je me demande si tu peux réarranger ton, ton camion ou si c'est déjà défini. enfin Ils ont mis un peu les choix des décors, mais est-ce que tu peux l'assembler comme tu le souhaites Enfin bref, faudra, faudra, faudra voir. Alors Dans celui-ci, il ne te le montre pas, mais tu peux par exemple déplacer ton lit d'endroit. Il le montre dans okay. d'autres euh, endroits, d'autres vidéos. Ok, ok. Euh, J'ai très envie de découvrir les, les paysages. Parce que là, on a eu euh, beaucoup l'intérieur du van, qui, qui est très très cool. Et on a vu un tout petit peu les paysages euh, où on pouvait aller. Euh, ça m'a donné envie d'en voir plus. Qui <laughs> euh... euh, Je ne suis pas la cible, je pense. Parce que moi, contrairement à là-haut, alors ça surprendra pas Luna ni les gens qui me connaissent un peu. Euh, le, un jeu dont le, le trailer te montre quand même ce qui est. Tu vois, c'est le trailer, tu vois, c'est bon, plein la gueule. Et pour moi, un jeu dont le. enfin le, 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 le pinacle du jeu, c'est de ranger des, des rouleaux de PQ bien alignés, <laughs> je, suis <laughs> absolument pas, je suis absolument pas la personne qu'il leur faut. Genre, absolument <laughs> moi, pas. Moi, je pense que t'es capable de mettre un Genre... PQ sur le lit. <laughs> ouais, non, je... en fait, c'est surtout que, en fait, si tu veux, moi, je, je, je veux bien, si je peux m'amuser à mettre des fleurs, tu vois, et me transformer les rouleaux de PQ en base. Non pas parce que je suis edgy ou quoi, juste parce que dans un jeu vidéo, j'ai envie, de... envie de... De... de pouvoir foutre le bordel si j'ai envie. Et là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être difficile de foutre le bordel. Très... Ça a l'air très propre. Et euh... je. Ouais, ça cache. Euh, je pense que je suis, je suis pas encore assez euh, détox, selfie, euh, graines de chia pour euh, pour pour la camper van aussi voilà je tiens à préciser que c est, c est, ça vient de moi hein. c'est pas le jeu okay? j'ai encore l'impression de foutre un râteau c'est pas toi mmh. c'est moi voilà <laughs> <laughs> les jeux les jeux peuvent pas plaire à tout le monde hein tout à fait tout à fait moi je ah non, mais tu entends mieux parce qu'en fait, si tous les jeux j'étais là, genre ah ouais, trop bien et tout, euh, je suis fan. Bon, du coup, on dirait, ah bah ouais, mais est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas dans la vie Ouais, ouais, ranger des rouleaux de PQ, euh, ça me fait chier. <laughs> moi, que tu me c'est. Alors que pas... la satisfaction quand ils sont alignés et que tu peux fermer ton truc, ah, trop bien trop bien ah, Ça me fait peur. <laughs> non, moi je suis d'accord avec là-haut. Je suis assez ben, d'accord avec là-haut. C'est. Let's go euh, Let's go <laughs> en vrai, non, mais je rigole alors qu'en vrai, il y a des fois, y compris dans les sims, je vais être très chiante parce que je vais vouloir que tel objet soit vraiment symétrique ou tombe à tel endroit et compagnie, tu vois. Genre, je peux être très, très bordélique, mais très obsessionnel dans mon bordel. Genre, à vouloir que le bordel soit exactement là. <laughs> et des fois, il y a le avec le Pomodi. Exactement. Voilà, exactement. Pour <laughs> euh... j'en reparlerai je ressortirai le clip un hein, de ces quatre on en reparlera parce que c'est vrai que c'est un peu nos débuts en plus Luna donc mm. on en reparlera euh, niveau Van Life il euh, y a Alexis Stone qui dit qu'il y a Forever Ago qu'il attend oui. de fou mais il n'y a toujours pas de date yes. c'est triste oui oui clairement il euh, y a des jeux on les attend on les attend oui on va parler d'un dernier petit jeu Ok. C'est ça vous tente oh, il y a un petit peu moins de côté satisfaisant sur Forever Logo. Hein. C'est pas le. C'est exact... enfin, un Van Life, mais c'est pas tout à fait le même principe de jeu. On va parler du dernier jeu qui s'appelle le Rousseau of Pacha. Je sais pas le dire. <laughs> mais c'est pas grave, je vais vous laisser avec le trailer et puis. Euh... Et puis après, vous, ça... vous direz comme vous voulez. <laughs> vous direz ça comme vous voulez. <laughs> oh. <Oups. rire> We are the children of Pacha. For years, we roamed her lands looking for food and shelter. But one day, the world changed forever. With the first snowflakes, we found a place to settle. The place that we now call home. Once spring came, we explored the wilderness. The seeds we found took root and flourished. The animals became our friends. Well, maybe not all of them. <laughs> we discovered new ways to travel the lands and ventured deep to learn Pacha's secrets. The world turned into a canvas, and our hands, the brush. Built, and to all the moments that make this life special, we found friends, joy, and, of course, love. I want to be a farmer. I want to help too. Oh, there's still a road to be walked. And who knows, maybe with the efforts of everyone, piece by piece, we'll build something to stand for generations. Hey, et salut Glendy Glendy Oh, c'est dur, hein. <laughs> <laughs> suis Pas Glenn, donc. <laughs> ok, je vais donc vous parler de Route of Passa, qui est un jeu de simulation de ferme en solo ou en coop qui se déroule, qui commence à l'âge de pierre plutôt, plutôt que se déroule. On commence, on est issu d'une... Euh, on est issu de nomades et on s'est dit, bon, bah vas-y, il est temps de poser nos bagages. Qu'il y a encore tout à apprendre. On commence euh, par la cueillette, l'agriculture, le minage, la pêche, on en passe et au fur et à mesure on améliore notre façon de faire. Donc d'abord l'agriculture la cueillette, principalement. Puis euh, on se dit, tiens, si on allait pêcher d'abord euh, à la main, puis ensuite à la lance, puis ensuite à la canne à pêche. Et euh, pareil pour l'agriculture, comme vous l'avez pu le voir, au début on fait des trucs normes, on plante, on arrose on ramasse et après on fait des petits sillons qui font que c'est tout le temps arrosé. <laughs> Je ne sais plus comment ça s'appelle. <laughs> Tu développes tes compétences et celles de ton peuple également. Il faut vraiment prendre ça en compte. C'est que oui, tu gères ton personnage, mais il faut aussi gérer les relations, gérer les, compé les compétences de chacun, façon de parler, mais faire en sorte que chacun puisse avoir son petit travail, sa petite chose à faire. Euh, c'est pas euh, une seule et unique personne à un moment donné. C'est ce qui moi m'a le plus, euh, plus intéressé et qui m'a le plus interpellé. C'est que ben, tout le monde, euh, pour moi, euh, est en train de casser du bois en même temps, est en train de construire, est en train de... De, 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 de faire des choses ils sont tous en train de faire plein de choses on peut aussi dessiner soi-même sur les petites grottes les petits murs des grottes et ça j'ai trouvé ça très très cool euh, j'ai trouvé ça super intéressant euh, okay. au niveau du gameplay donc le jeu est prévu pour le 25 avril donc celui-là il sort dans pas longtemps et il sera en français à savoir que le créateur, le, les créateurs du jeu donc le sujet de développement c'est Sodadin Den bon, je sais pas comment ça se prononce et en fait c'est deux frères qui ont travaillé dessus donc c'est un travail de famille et j'ai trouvé ça très cool mmh. et le coquinette comment vas-tu Bienvenue. Hello, ma chaîne, hello. Hello. hello Glenn Fiddy chez coquinette euh... voilà. Ah c'est super sympa que ce soit deux frères en plus sur un jeu qui a l'air quand même beaucoup autour de la transmission, avec, euh... dans le trailer on voit c'est genre une vieille dame qui explique, il y a vraiment un côté euh, familial, euh, tribu, etc. C'est vraiment l'origine story du jeu faite par des frères, je trouve ça très très sympa. Euh, j'ai eu un peu l'impression de voir un mix entre euh, entre genre un, 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 un gameplay prenant à la Edge of Empire X Star du Valais mais avec un habillage tout pipou, tu vois <laughs> du coup euh, je me dis ah non il a ouf, il a l'air et euh, a très sympa je suis pas euh, ultra 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 fan du cara design euh, des persos mais euh, bon après sur de la de la 2D comme ça c'est pas très gênant et hormis ça, je trouve ça très très cool. Vraiment, ça a l'air. En plus, il bah, y a des, des détails qu'on n'a pas là, mais quand tu nous dis par exemple qu'on peut dessiner sur les, les, les murs, un peu. Genre, laisser un peu le côté trace dans l'histoire et tout. Euh, C'est super chou, je trouve, d'avoir pensé à des petits mécanismes comme ça, en plus de, des mécanismes plus classiques, genre d'agriculture, etc. Enfin, ils ont l'air d'avoir vraiment pensé à de quoi euh, s'occuper, quoi. Je pense que ça va pas être très contemplatif. Ça va plutôt être genre. Allez, encore juste une journée. Ah man, ça fait déjà 500 fois que je Il suis ça. C'est la to-do list. <laughs> C'est typiquement la to-do list un peu à la Stardew qui me fait peur, moi. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Sine. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura sa communauté hyper attachée à ce jeu. Euh, si l'histoire et notamment le côté tribu est, 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 est assez satisfaisant. C'est le seul truc de... C'est ce qu'ils ont l'air de promettre dans le trailer. Il faut que ça suive, euh, faut que ça suive derrière et que ce soit... Euh... Euh, ce soit consistant c'est typiquement le genre de jeu je me dis ah oh, trop bien et tout ça je vais adorer je vais adorer et je kiffe sauf que je n'y joue plus après la première fois <laughs> parce que trop long voilà dans ma vie j'ai trop de to do list déjà <laughs> je, je peux pas <laughs> le faire sur des jeux comme ça ok mais ranger du PQ dans un van ça par contre t'aimes bien et mais ça ça va parce que c'est satisfaisant ça rentre c'est tu pousses et tout c'est fait tu vois alors que là c'est infini pense. et c'est fait pour mais c'est pour ça que c'est des jeux j'aime bien, mais en fait, euh, j'y joue pas. Merci là-haut. J'aime bien, mais bon. Ah, je peux pas, tu je, je peux pas. <laughs> ouais, ouais, je, je, je le regarderais facilement chez des gens et je me dirais, ah oh, cool et tout, il est vraiment bien pensé. Oh là là, <laughs> PTDR, je l'achète pas. <laughs> Non, mais j'ai fini par comprendre aussi, comme disait si elle n'est pas ce genre de, de client de magin. Et c'est pas qu'il n'est pas intéressant, c'est juste qu'en fait, je sais que je ne vais pas y jouer. On peut pas être client de tout, hein. J'en connais, je pense qu'il joue, j'en connais, et... y joue, genre Hudson. Il ne jouerait pas. Ce <laughs> ah, ok. bah, serait dommage parce que la fois où il a joué à Star du Valais, il a détesté, mais alors putain, les doublages qu'il nous a fait, quoi. C'était insane. Ah, oui. Je me souviens encore, genre il est pissé au-dessus de la falaise, là, il essayait de draguer, je sais plus quel perso, le qui qu'il pissait euh, au-dessus de la falaise. C'est très bien, c'est très drôle l'Odson quand il n'aime pas un jeu, il, il est très drôle dessus. Il s'en rend pas compte, hein, mais il est très drôle dessus. Non mais c'est vrai. Donc voilà, c'était mon dernier jeu de, de ce brunch. On se retrouve dans 5, 4, 5, enfin dans quelques semaines. Pour d'autres, encore, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. C'est vrai que c'est très dur ouais. de s'arrêter à ça. Un jeu indé, c'est bien. Pouvoir découvrir d'autres chez Luna 47, d'ailleurs. Oui. Beaucoup de découvertes <laughs> sur ta chaîne, oui. Tu vois, Coquinette, euh, nous dit, elle, ça, c'est le genre de jeu qui l'attire le plus, tu vois. Alors, n'hésite pas. Ouais. <laughs> n'hésite pas. Je vais repasser vite fait, euh, reparler vite fait, reparler, refaire le récap de ce qu'on a vu aujourd'hui rapidement. Donc, on a commencé par parler de Green Reaper, qui sera un jeu qui est. Qui sera un jeu gratuit qui sort bientôt. <laughs> qui a été créé par des étudiants, euh, je pense que c'est des projets étudiants. Et euh, qui est donc un, un, un jeu à euh, slash. On a également Above Snake qui sort le 25 mai et dont on a fait un test sur la chaîne de la paix, N'hésitez pas à aller regarder à la rediff. Et il y a également le prologue déjà disponible sur Steam. On a parlé de Time parce que Time. <laughs> la pipoutide. Oui, mais elle t'aime. fait par une meuf en plus. Pff, incroyable. quoi Exactement. Qui est donc enfin, le une, une femme. femme, une seule une personne. Dame. Une seule personne. Que un homme ou une femme, une seule personne, c'est incroyable. Mais en plus, la madame, elle est trop mimi. Et puis, envie de lui tirer les joues. Voilà. Et qui sort le 27 avril sur Steam. Et euh, je crois qu'il était aussi sur Dispo sur euh, PS4, euh, Switch, euh, Xbox, euh, Epic. voilà plein plein mois. On a ensuite parlé de euh, Wookland Hike qui est un jeu de contemplation euh, disponible sur Steam et euh, la personne en a fait euh, 18. Donc euh, si vous n'avez pas ce style de contemplation, il y en a d'autres. N'hésitez pas, il est pas cher, il est à moins de 2€ et la plupart de ces jeux sont à moins de 2€. On a également Pogling qui est donc en Kickstarter toujours et qui sortira. Oh là là, dans trop longtemps, c'est trop drôle Il sortira en mai 2024, mais moi euh... je lui promets, je, je, je pense que je vais y jouer dans, en mai 2024. N'hésitez pas à les découvrir. On a parlé de Tiny Pets, qui est une application mobile qui te permet de gagner des points, des... Et faire level up tes petits pets sur ton mobile quand tu marches dans la vraie vie. Euh, et qui sortira, qui sera disponible à partir de août. Et nous a. Et attendez, il y a Campervan qui te... qui te promet satisfaction et développement de soi-même avec une petite histoire en fond et des paysages divers et variés. Où tu rangeras le PQ pile à la même place! Des bisous C'est ce qu'on retiendra. C'est ce qu'on retiendra, mais il y a encore plein de choses à, à retenir. Et qui donc euh, sera dispo à partir de décembre 2024. C'est loin. Et dernièrement, donc, de Rousseau Pacha qui sort dans euh, deux jours euh, sur Steam et j'ai pas regardé ailleurs, qui sera en français et, et qui est donc. Euh, besoin de chacun on aime on n'aime pas c'est trop chronophage bon oui il y a plein de trucs comme ça arrive. donc voilà le récapitulatif de nos jeux de... que je vous aurais présenté cette semaine j'espère que vous avez aimé ce live moi ouais, j'ai passé un très bon moment en plus j'ai parlé j'adore parler <laughs> c'est indéniable oui merci pour la sélection Luna c'était très cool et, euh, et, euh, je pense que ouais, camper en van c'est celui qui est le plus euh... Yeah. On, on va le faire. On va le faire euh, sur la paix. Ouais, bah, je passe ouais. tout je euh, passerai te regarder euh, ranger ton PQ quand il sortira. Oui. <laughs> voilà. C'était très sinon hormis le papier de toilette, c'était très printanier comme euh, je trouvais comme sélection, c'était très très vert et tout, c'est parfait pour la saison. Je trouve. Il y avait beaucoup d'extérieur de, et de, de plantes et tout et même de roses qui, qui coupent des champignons donc il euh, y avait de et des et des champignons qui livrent des qui des... Exactement des de... voilà. Exactement. Parce on, on les aime très très tous, les euh, champignons les roses. Non, non, non. <rire> 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 et ben, écoutez euh, ce brunch est fini. Est-ce qu'on fait un raid Ah je bah oui. Pas, oui j ai j ai ai... mais... Non, je rigole. <rire> 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 ah <rire> euh, mais bon, mais... je proposerais bien quelqu'un que là où est un raid hier qui est Fifousan. Qui a d'ailleurs gagné le giveaway chez moi hier? Euh, il est sur Dead Island 2, qui est un jeu qui vient de sortir. Alors, c'est rien à voir avec les jeux qu'on vient de présenter, mais euh, bah, il est, euh, il, voilà, c'est un, un tout nouveau jeu hein, qui vient de sortir. Donc, euh, si on a qu'envie de suivre encore un petit peu l'actu. Et il est. Euh, Fifusan est, est adorable et ultra pipou. Et. Euh, ah oui, et au fait, tout à l'heure, après-midi. À la la minute. je pense, vers, vers 16h, euh, je serai là sur la chaîne euh, pour euh, faire un petit atelier avec vous sur les goals pour le euh, Carita Twitch, les goals spécial After Part Twitch. Si vous avez envie de suggérer des bêtises, c'est sur une idée de Lao Time euh, qu'on remercie fort. Coucou Lao. Oui. <laughs> Parce que l'After Part Twitch a un événement caritatif qui arrive la semaine prochaine, du 28 au 30 avril. Euh, donc, soyez là cet après-midi pour euh, dire ce que vous avez envie de nous faire voir. Faire faire, pardon. Faire voir. Aussi, peut-être. Ben, bah, on va très fort. Non, rien. <laughs> non, pas ça. Mais si, par, ah, par, par, euh, par, euh, par, euh, par des gens, pas par. Euh, oui, mais oui, oui, par oui. insulte, non. <laughs> Hop. En tout cas, merci. Merci les filles pour ce brunch. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été ici. Merci. Euh à Bigor qui... <laughs> qui a craqué oui. euh, pour les subgifts Merci oui, oui. aux follow aussi qui... qui sont venus. Et merci, merci aux modérateurs qui ont ultra bien géré. Euh, Comme et... Ouais. En plus, moi, c'est pénible quand je fais mes brunch. Faut leur mettre... Il faut qu'ils mettent les... Ah, les... il est très lourd. Hein. Euh, voilà. GG à vous. Je vous fais de très gros bisous. Et puis on vous envoie chez Juton, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne Yes, on apporte les croissants Attendez, je fais la petite phrase. Tabouzou Vous pouvez balancer cette phrase en arrivant. La phrase Cheez. que Sinemoon met Et à bisous. tout à l'heure Des bisous